Allez hop, on est parti. Soir à tous. Bienvenue sur ce live. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'image. Ah, petit problème technique. Ah, moi ça, c'est les aléas du direct. Je ne sais pas pourquoi. On ne me voit pas. Parfait Et voilà de retour, donc bienvenue sur ce live sur Fusion 360. Alors ce soir, donc ce que j'ai prévu, c'est de vous montrer comment réaliser ce casque, le casque qui est ici, euh, entièrement sur Fusion 360 avec les outils qui sont disponibles et principalement voilà les outils en surfacique. Donc euh, si vous n'avez pas vu comment utiliser surfacique, ça risque d'être un petit peu des paysans comme vidéo au début. Donc ce que je vous recommande c'est euh, surtout de... Après, vous allez voir en fait dans le... Dans ma chaîne, il y a une vidéo dédiée à la modélisation surfacique, donc n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse si vous voulez du coup refaire ce casque. Salut à toi GalacWeb Studio. Et donc comment va-t-on faire euh, ce casque Bah écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, je reprendrai aussi euh, tranquillement euh, certains détails. Donc en fait ce casque-là, je vais certainement le modéliser en deux ou trois fois dans la soirée avec des méthodes un petit peu différentes. Donc vous allez voir, ça va prendre... ça va pas prendre trop longtemps normalement, parce que j'ai quand même pris le pli. Par contre, vous, voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est normal. On va voir ça pas à pas. Je vais mettre la rediff du live, donc si vous voulez regarder ça plus tranquillement, et on va commencer tout de suite pour faire le casque. Alors premièrement, donc euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, première chose que j'ai fait en off, c'est que j'ai créé des canvases. Donc en fait, ils vont me servir pour à peu près me positionner, pour me placer. Pour, euh, voilà pour m'aider à créer le casque dans son ensemble, donc c'est des images que j'ai trouvées sur internet. Euh, j'ai laissé l'image sur le Discord, donc si jamais vous la voulez, pour faire votre truc à vous, comme ça en fait, euh, voilà, c'est pour se donner des repères, c'est pour que ce soit plus facile à comprendre et à euh, modéliser. Parce que si vous devez le faire de tête, vraiment de pure tête, euh, ça risque d'être assez compliqué et d'être assez technique. Donc donnez-vous des schémas, donnez-vous des petites esquisses pour vous aider comme ça à comprendre. Et euh, à mieux visualiser ce que vous allez faire. Ok, deuxième chose à dire donc, pour modéliser ce casque. Donc, vraiment, euh, si jamais vous ne savez pas faire les canvas, il y a plein de solutions sur Internet. Voilà, c'est euh, insert, c'est ici. Je l'ai fait en off parce que, comme ça, c'est plus rapide et ça évite de vous saturer en information. Et euh, du coup, deuxième chose, là, le modèle, le mesh que vous voyez apparaître ici, c'est ma tête que j'ai tout simplement scanné en 3D avec une Kinect. Et euh, donc, ça me permet, comme ça, d'avoir un casque. L'échelle et d'avoir un casque du coup qui correspond parfaitement à la taille de ma tête, ok. Donc voilà, ceci étant dit, euh, vu qu'il ya ma tête qui va donner l'échelle, je vais assez peu utiliser les cotations. Je vais faire quand même, euh, j'en je mettre un petit peu, mais du coup, je vais coter un petit peu comme ça. Un peu, pas, je vais pas dire au pif, mais du coup, je vais pas faire des codes précises parce que pour le casque, euh, en tout cas là, pour ce que je veux faire, ça n'a pas un besoin euh, vital pour faire ça. Alors, première chose pour commencer à faire ce casque, donc là vraiment on a, on a un truc vierge, à part les canvases et la tête, je n'ai rien rajouté de plus. Donc, la première chose par laquelle je commence pour faire ce genre de pièce, ça va être le bol. Ici là, tac. Et donc, euh, pour faire ce bol, il y a deux méthodes. Là, je vais commencer vraiment par une méthode euh, que je trouve la plus efficace, la plus précise. Après, la deuxième méthode peut être utile dans certains cas. On en parlera plus tard si on a le temps dans le live. Et on verra ça plus en détail. Alors, premièrement, ce que je vais faire, en fait, je vais créer une esquisse qui va me permettre de créer ce bol. Et en fait, ça va être assez simple. Je crée un plan. Donc, je vais cacher la tête. Et sur ce plan, ce que je vais créer, je vais faire create sketch. Et en fait, ce que je vais créer, ça va être... Euh, comment dire une esquisse qui va faire le contour de mon bol donc en fait tout simplement j'aurai une esquisse qui va faire à peu près ce contour noir là voilà de là à de là et ensuite après je vais faire soit un balayage par évolution soit un loft pour créer le bol et donc pour faire l'esquisse euh, alors tout simplement je vais faire ma tête tac et je vais faire une ellipse je pense qu'une ellipse c'est ce qui correspond le mieux à la forme du casque Tac. alors la, la tête le modèle 3D est vraiment là pour se euh, donner euh, comment dire une estimation voilà donc euh, si c'est pas symétrique donc là vous voyez hein, ici c'est pas très bien symétrique je ne vais pas euh, je vais pas me focaliser là dessus hein, je vais le faire à peu près euh, l'œil et normalement après de toute façon avec les petits ajustements je vais laisser de la place comment tu as fait le modèle 3D de la tête justement alors attends bonne question ça c'est pas de bol ce que je l'ai ressorti tout à l'heure alors en fait euh, d'ailleurs Elioc, ça fait une vidéo là dessus j'ai acheté une kinect donc une kinect de Xbox 360 je crois et en fait à partir de cette Kinect tu peux tout simplement scanner ta tête voilà, tu peux, enfin, tu peux scanner ta tête, tu peux scanner tout ce que tu veux, ça n'a pas d'importance. Et du coup, moi j'ai scanné ma tête et donc on voit même bien euh, les petits défauts du scan. Et en fait, ici je suis pas très bien passé sur le dessus de la tête donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais en fait, là on a quand même euh, l'espace des yeux à peu près, on a l'espace du nez donc ça aide un peu. Euh, ça aide un peu. Et du coup, tu as un logiciel, c'est euh, Scanect, je crois, je sais, je suis pas sûr que je l'ai encore sur cet ordinateur. Voilà, c'est ça, c'est Scanect 3D. Donc, avec ce logiciel, tu branches ta Kinect sur l'ordi, tu t'installes les drivers, tu as le logiciel, et à partir de là, c'est assez simple en fait. Tu prends ta, ta Kinect et ça va filmer, et à partir du film, ça va te créer un modèle 3D. Et ça, c'est vraiment une méthode que je recommande si vous voulez, comme ça, à faire des petites pièces rapides euh, scannées en 3D. Je crois qu'il y a Thomas de Polyscul qui a fait une vidéo dessus, Eliox a fait une vidéo dessus, donc il euh, y, a, y a de la documentation hein, si vous voulez euh, vous intéresser un peu à ça. Et euh, bah moi, dans mon cas, ça a été euh, vraiment très pratique parce que du coup, comme ça, j'ai eu un casque assez sur mesure. Alors, hop Mais donc, voilà. Après, euh, si, euh, si ça intéresse les gens, je referai une vidéo dédiée à, à Scanect, mais j'en avais pas encore fait parce que tout simplement, vu qu'il y avait la vidéo d'Eliox et, euh, et d'autres personnes sur Internet, bon, je n'ai pas senti que c'était vraiment, vraiment vital. Hop là donc, alors j'ai créé donc, le début du bol, le début du casque. Euh, je vais quand même le faire matcher. Ok. Donc après là, je le fais, je ne vais pas l'imprimer en 3D, c'est juste pour vous montrer comment réaliser le casque. Donc euh, je ne vais pas le faire matcher à 100% avec ma tête. D'ailleurs, en fait, je pense que je ne vais même pas, pas trop me baser là-dessus. Euh, et là, donc l'idée, ça va être soit je fais un loft, soit je fais un balayage par évolution. On va voir ce que le balayage donne. Et par contre, je vais passer directement à l'outil surfacique parce que je vais faire entièrement ce live en surfacique quasiment. Euh, c'est l'outil le plus puissant pour faire ce genre de choses. Et je pense que c'est l'outil aussi le plus efficace. Alors. Ok, c'est pas mal, mais ça me plaît pas à 100%. Donc on va passer plutôt avec l'outil loft. Et donc l'outil loft, il faut que je rajoute des sketchs parce que sinon ça ne va pas, ça ne va pas matcher comme je le voudrais. Hop. Et donc l'avantage de l'outil loft, c'est que je vais créer une spline. Hop. Hop. Ok. Je valide. Je finish ma sketch et je vais alors je vais juste rééditer un tout petit peu mon... Ma première, ma première euh, esquisse, Tac. Voilà, pour qu'elle matche un peu mieux. Alors oui, c'est pas symétrique, donc ça va un petit peu m'embêter. Euh, au pire, je retravaillerai les cotes. Un peu après. Donc en fait l'idée c'est que cette spline là, je vais la former de telle manière à ce que l'épouse en fait la ligne noire qui est ici. Hop. donc j'édite ma sketch et euh, et voilà. Donc là j'ai à peu près euh, j'ai à peu près le truc. Tac. Alors j'ai pas particulièrement l'habitude d'utiliser cette méthode parce que j'ai commencé par une autre méthode que je trouvais euh, que je trouvais plus simple en fait. Euh, qui était, euh, qui était un peu moins prise de tête, mais euh, bon, les deux méthodes se valent. Voilà, je monte les deux. Ok, donc il va falloir que je réajuste ma sketch. Tac. Le, la, je trouve que créer la partie du bol, enfin le, vraiment le bol, c'est une des parties les plus, euh, les plus compliquées dans cette modélisation. C'est un petit peu la, la plus galère, la moins facile à faire. Euh, mais après, quand on l'a fait... Ça passe nickel. OK. Parfait. Donc là, je vais cacher mon canvas. Hop. Donc là, j'ai commencé à créer ma première moitié de bol et en fait, le problème du loft, c'est qu'il va au plus simple. Donc là, au lieu de faire de suivre une petite courbe ici, il allait vraiment sans se prendre la tête et donc il faut que je rajoute une spline ici supplémentaire pour que ça épouse bien la forme du casque et pour contraindre mon loft à faire ce que je veux. OK. Alors, du coup, je reviens en arrière. Je crée une sketch et euh, donc une spline ici. Hop et hop et je valide. Tac et maintenant j'ai plus qu'à donner à la forme de ma spline. Parfait. Je finis sketch et euh, alors le, la grosse contrainte des lofts, c'est qu'il faut que la fin de mon de ma spline soit bien coïncidente avec euh, avec ça le, la partie que j'ai donc il va falloir que je fasse un intersect ok ok à savoir que l'outil loft moi je trouve que c'est l'outil le plus puissant euh, alors les canvas euh, sont sur discord euh, est ce que je peux partager le lien euh, si on regarde le discord euh, copier copier le lien du message je te mets ça dans le chat donc voilà, normalement, si tu cliques sur le lien, il va t'amener directement au Canvas. Voilà. Ok, donc ce que je fais ici, c'est que je vais créer un simple intersect. Ça va me donner un point, et je vais faire ce point coïncident. Et comme ça, je suis sûr que mon loft fonctionne bien. Voilà. Et là, normalement, ça ne peut... Ok, parfait. Euh... Alors donc voilà, le loft, c'est un outil un petit peu compliqué à utiliser si vous l'avez jamais utilisé. Mais par contre, c'est très très puissant un loft. Vraiment, ça déboîte. Je vais faire aussi un intersect ici pour être sûr que tout le monde soit bien connecté ensemble. Euh, non, je retourne dans l'outil sketch. Hop. Et voilà. Donc, euh, c'est souvent, voilà, la mise en route est un petit peu longue. Et après, par contre, quand vous avez commencé à faire le gros du casque, et ben vraiment. On peut commencer à s'amuser et l'avantage de l'utiliser en surfacique, c'est que vraiment on peut se permettre de faire comme bon nous semble et de se donner des petites libertés. Et là j'édite et je vais lui rajouter un rail et normalement voilà. Et donc en rajoutant le rail, en fait, il va suivre ce rail et ça va me donner mon bol. Je vérifie jusqu'ici, ça soit pas trop mal. Ok, ça me paraît correct. Ici l'ensemble du casque, du, du bol pardon me paraît pas mal et maintenant on va créer alors je vais faire un miroir tout simplement tac un miroir par rapport à ici hop là et donc là je vais connecter mes deux faces je cache mes sketchs elle ne nous intéresse plus et là j'ai mon début de bol hop là voilà j'ai vraiment j'ai le, le bol qui va entourer le crâne et euh, donc maintenant, on va commencer à passer au plat. Donc, si vous ne voyez pas très bien, en fait, les casques mandaloriens, il y a le bol qui descend. Ici, il y a un petit plat de quelques millimètres. Et ensuite, après, ça va redescendre en un espèce de gros cône. Et on va travailler ça pas à pas. Pour faire ce plat, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sketch sur le même plan. Et je vais réutiliser la même esquisse que tout à l'heure, mais avec un, un petit offset, tout simplement. Alors, tac, je fais réapparaître. Elle est là. Je fais un project pour avoir mon esquisse dans l'esquisse actuelle. Je dis OK. Très bien. Je cache un peu les choses pour que pour vous, ça soit plus visuel. Sinon vous serez un petit peu harassé par, par tout ce qu'il y a à regarder. Ok. Et maintenant je fais un tout petit offset de ça. Et on va dire, pour que ça soit bien visuel, on va faire un offset de allez, 4. 4 mm, ça me paraît pas mal. Et maintenant, du coup, pour avoir le plat des deux côtés, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, euh, un miroir de ma sketch. Miroir Line. Alors, il va falloir que je crée une ligne de miroir. Hop là. Donc, là pour l'instant, euh, mis à part le surfacique, j'ai utilisé quand même des fonctions assez standards. Hop. Ok. Très bien. Et je vais faire apparaître mon body. Je finis ma sketch et là il va falloir en fait que j'arrive à connecter mes deux pièces ensemble. Là, alors à première vue j'ai deux choix. j'ai deux choix. Ok. Soit je fais un loft, soit je fais un patch. Alors je vais voir ce que le loft donne. Donc à savoir en fait il y a plusieurs solutions parce que. Selon euh, la façon dont le logiciel est réveillé, parfois vous allez avoir peut-être des petites différences. Euh, voilà, il ne va, va pas vous prendre les choses de la même manière. Ok. Donc, je vais partir sur un patch. Parce que là, je vous vois comme ça, à première vue, que le loft, il ne le prend pas. Enfin, en tout cas, il ne va pas le prendre de la manière dont je voudrais. Ok. Là, il m'a créé un patch. Alors, la fonction patch, si vous ne la connaissez pas, c'est assez simple. En fait, vous avez votre esquisse et vous allez dire au logiciel je remplis mon esquisse entièrement avec une surface. Et alors il va falloir en fait découper cette surface parce que je ne veux pas qu'ici ce soit plein, je veux juste une surface ici, juste ça. Et donc pour ça, je vais utiliser l'outil Split Face que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Hein. Vraiment, c'est l'outil le plus important. Et j'utilise ça en splitting tool. Et donc ce que je vais dire, c'est que j'ai ma surface qui est là. Et je veux qu'elle soit découpée par rapport à la surface qui est au-dessus. Et normalement, si elle se touche, ça devrait me la décomposer. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle se touche. Est-ce que si je fais un stitch, ça fonctionne Ah, pas de bol. Il ne me le prend pas. Donc, tout simplement... Pourtant, il a bien pris le stitch. Et le speed face. Bon, pas de bol. C'est pas grave, on va éditer, on va éditer tout ça. Donc pour faire plus simple, ce que je fais c'est là, hop, je coupe ma sketch en deux. Enfin il y a toujours mille façons de le faire. Là j'essaye je, de plusieurs façons différentes, c'est selon, selon ce qui me tombe sous la main. Donc hop là, j'ai créé un patch comme ça. Je vire mon patch. Et donc là, en fait je vais refaire un loft. Parce que le loft au final ça fonctionne mieux. Hop. Et toc. Et voilà. Et donc là le patch. Enfin le loft s'est fait parfaitement. Donc là vraiment. Ce genre de détails, ça va dépendre un petit peu de la façon... Ça dépend, il y a une certaine. Il y a un facteur chance, voilà. Ça va dépendre de si vous avez euh, suivi vraiment la chose pas à pas, si vous avez modifié un petit peu à un moment. Et du coup, bah parfois le loft fonctionnera, parfois le patch fonctionnera. Je peux pas vous promettre qu'une solution fonctionnera plus qu'une autre, hein. c'est pas vrai. Ok, je vais faire un stitch, histoire de... Hop. Euh, oh j'en ai oublié un. Hein. Je vais éditer le stitch. Voilà, tout le monde est solidaire et donc là, si on regarde le canvas, euh, il envoie sur une page erreur. Alors pourquoi il t'envoie sur une page erreur Alors c'est assez étrange. Normalement, je vais vous montrer. Hop, si je casse ici, euh, le lien Discord en théorie, il devrait vous envoyer ici. Donc euh, là, c'est en fait, c'est tout simplement le Discord que j'ai créé pour l'atelier et il devrait vous montrer cette page là. Euh, copier L'aperçu de l'image, est-ce que je peux pas te l'envoyer d'une autre manière? Alors, après, vraiment, si vous, si vous trouvez pas le lien, si le lien marche pas, c'est pas grave, vous tapez juste euh, Helmet Boba Fett Blueprint, voilà, et euh, sur, euh, sur Google, et normalement, celui-là, vous devrez le trouver sans trop de problèmes. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont des petits problèmes avec le lien. Ok, alors, première chose, alors vous voyez, hein, je ne matche pas parfaitement par rapport au, au dessin, mais c'est pas grave. Euh, ok, super, j'ai trouvé ça. Donc voilà, pour, bon, si ça marche pas, je suis désolé. Allez voir euh, directement. Soit vous regardez dans la description, j'ai mis un lien pour aller sur le Discord et vous le trouverez là-bas. Soit vous tapez ce que je vous ai dit sur Google et normalement vous devrez trouver l'image de référence. Donc ici, vous voyez, alors je ne matche pas parfaitement avec, euh, avec le dessin. C'est pas grave, moi hein, je le fais, euh, voilà, c'est un petit peu une modélisation artistique, entre guillemets. Donc je veux qu'il y ait la forme globale. Mais après le reste, c'est pas très important. Alors. Maintenant, ce que je vais faire, donc vraiment pour que vous voyez bien, en fait, je vais faire le, la, la surface qui va descendre en dôme, euh, même pas en dôme. Donc, je vais faire vraiment une surface qui descend ici. Et ensuite, après, je vais cutter cette surface et l'assembler pour avoir cette partie-là, pour avoir cette partie-là. Mais donc, ça va se faire vraiment pas à pas, vous allez voir. Alors, je crée, non, je ne vais pas créer une sketch tout de suite. Je vais d'abord créer un plan. Ok, et ce plan-là, je vais le créer assez bas. Voilà. Je vais créer une sketch sur ce plan. Si je vais trop vite, hein, notamment voilà pour vous, Coméga, pour ceux qui sont là dans le chat, euh, n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions pour que je... Soit je repasse sur une chose, soit voilà qu'on en reparle un peu différemment. Il euh, y a plein de méthodes pour faire tout ça, donc vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on en essaye une autre. Là, j'ai créé, enfin j'ai projeté ici la forme de mon bol pour me donner un petit, euh, une petite idée. Pour voir à peu près comment le, le bol descendrait droit, mais moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire quelque chose qui tombe tout à fait droit. Je vais refaire une ellipse, ok, et du coup voilà, pas trop fort. Et du coup je vais recréer en fait un espèce de de bol pour créer un peu cet effet, cet effet voilà de décalé. Tac. Ok. Alors si besoin, si besoin, j'éditerai tout simplement euh, mes esquisses et je reviendrai en arrière pour modifier ce qui n'allait pas. Ok, je fais finish sketch, je retourne dans l'outil surface. Donc pour l'instant on a été que en surface. Hein, vraiment, l'ensemble de la vidéo va se faire en surface. C'est pour, euh, pour travailler avec des outils qui sont plus puissants que le solide. Je ne doute pas qu'on puisse le faire en solide. Mais moi, je trouve que le surfacique est quand même plus performant pour faire ça. Vous allez voir pourquoi. Ça va être surtout, en fait, on va voir l'avantage euh, quand on aura un peu plus avancé le casque. Ok, voilà. Donc, tout bêtement, j'ai créé un espèce de home qui ressemble à rien, mais par contre, qui va me permettre de euh, d'utiliser les surfaces pour assembler mes surfaces et arriver au canvas final. Je vais faire. Dès maintenant, la partie, euh, une des parties les plus faciles à faire, pour que vous puissiez voir déjà un petit peu comment fonctionne euh, l'outil surfacique, et euh, du coup pour voir, pour, en fait, faire cette partie-là, ça va vous aider à bien visualiser ce qu'on est en train de faire. Ok, et en fait, je vais faire le T du casque. Donc voilà, le T noir qui est ici. Non, pour ce faire, en fait, je fais une esquisse que je décalque grossièrement par rapport à mon modèle. Tac. Et tac, et je vais créer une surface, je vais l'extruder, qui aura la forme de ce T, dans ce sens-là. Et du coup là, comme ça, on a un assemblage de deux surfaces qui ne ressemble à rien. Mais en fait, en utilisant l'outil Split Face, je vais pouvoir modifier ma surface par rapport à la surface que je viens de créer. Hop là, et ça va me permettre de faire monter. Ok. Il a bien pris l'outil Speed Face, parfait. Donc lui, je le cache. Je cache le canvas. Et donc maintenant, si je fais un stitch, en gros, ça va découdre l'ensemble de mes surfaces. Hop là. Et maintenant, j'ai le T, le t visor de mon casque. Et si on regarde, du coup, ça matche assez bien avec le résultat qu'on veut avoir au final. Pour que ça soit plus visuel pour vous, euh, je vais rajouter une étape supplémentaire. Tac. Que j'aurais fait à la fin en temps normal. Mais je vais quand même la rajouter maintenant pour que ce soit plus clair. Je vais couper une partie de mon casque. Parce que sinon cette partie-là, je pense que c'est un petit peu perturbant de la voir là. Euh, ça, ça, rend, ça donne plus de difficultés pour visualiser le résultat final qu'on veut avoir. Tac. Euh, et je retourne dans l'outil Split Face et en fait c'est que ça le Surface X. En fait vous utilisez, vous créez des surfaces et ensuite vous créez d'autres surfaces qui vont vous servir d'outils pour euh, modifier vos surfaces originelles. Ok voilà. Et si je cache mon canvas, euh, cache-toi aussi. Si je cache mon canvas, et ben vous pouvez voir déjà là quand même que l'idée du casque mandalorien elle est quand même vachement présente. Regardez, vous voyez, il va, me falloir... il va falloir que je fasse les joues, ok. Il va falloir que je fasse l'arrière aussi. Et, euh... Mais en tout cas, vous avez cet aspect d'aume, vous avez cet aspect de T. Là, vous avez déjà les grandes idées du casque mandalorien. Et donc maintenant, on va faire les joues. Donc je vais vous montrer là. Ce qu'on va faire, c'est les joues qui sont ici. Et alors là par contre, accrochez-vous parce que je trouve que c'est la partie la plus dure à faire euh, dans ce tutoriel. Mais on va essayer d'y aller tranquillement. Alors première chose à faire pour faire les joues, je vais décalquer cette esquisse là, ici Donc, je vais faire apparaître. Euh, hop. Je décalque à peu près, ok et je vais faire une spleen. Voilà. Donc la spleen en fait va me permettre de faire euh, l'aspect ici qui est un petit peu courbé. Ok. Je vais essayer de la faire un peu droite, parce que la fin a l'air de tomber bien droit. Ok. Donc là je joue, hop, voilà. Et en fait, euh, c'est magnéto. Bah c'est vrai que pour le moment, si vous voulez faire un casque magnéto, ça marche très très bien. On pourra même en faire un en fin de vidéo. Normalement, ça va. C'est pas plus compliqué. Et c'est là où vraiment euh, on peut se rendre compte de l'avantage de ce truc-là. C'est que. Euh, on peut faire une quantité de casques assez phénoménale très très rapidement avec le surfacique. Ok, donc là je crée ça. Je vais le faire en symétrique. Ok. Et je vais commencer par retirer la joue de mon casque. Donc je refais un split face. Je sélecte. Hop. Toc toc. Et je fais ok. Hop là, tac. Et donc maintenant, je vais pouvoir en fait retirer déjà la joue qui est en fait creusée à l'intérieur du casque. En fait, elle suit un peu la morphologie d'un visage. Vous avez le visage et ensuite vous avez les joues qui rentrent à l'intérieur. Et ça me permet de faire ça. Ok. Voilà, je ne stitch. Et je cache la pièce. Alors, tac, je te cache aussi toi. Ce qu'on pourrait dire éventuellement, c'est que ici, vous voyez, ces traits-là sont censés être droits. Donc, si je veux avoir mes traits bien droits, hop, il faudrait que je retravaille un peu. Mon esquisse ici, mais je vais éviter de trop m'attarder dessus parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir et j'ai pas envie de prendre trop de temps à affiner l'esquisse pour au final quelque chose qui ne va pas être imprimé. Vraiment, je veux vous montrer les techniques, les astuces. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment impeccable, euh, il faut travailler juste un petit peu les esquisses. Parce que si on prend, voilà, par exemple, euh, le casque que j'avais fait là, j'utilise les mêmes méthodes, c'est juste que je prends bien le temps de faire une esquisse proprement. Là, je le fais vite, voilà, parce que. Euh, si vous ne savez pas faire des skis, ce bon, voilà, ça sera, ça sera une chose à voir avant d'entamer ce genre de casque. OK. Alors, je refais quand même un petit peu ça, parce que je trouvais que sinon, vraiment, c'était très, très moche. OK. Tac. Voilà. Là, c'est à peu près correct. Ici, ça tombe un petit peu trop, mais les idées sont là. Et alors là, vraiment, le truc que je trouve le plus galère pour faire cette joue, en fait, c'est l'intérieur qui est ici. Voilà. Qui est un petit peu dur à réaliser. Et je vais vous montrer que, en fait, j'ai trouvé une méthode alors je ne dis pas que c'est très académique ce que je fais, je ne dis pas que ça soit la meilleure méthode, mais en tout cas c'est celle que, que j'utilise euh, et qui bah, au final a plutôt bien fonctionné. Voilà, ça. vous aurez les bases. Et c'est ce qui est le plus intéressant pour vous, hein. c'est pas de c'est de savoir comment faire. Hop. Et donc pour faire cette joue, en fait la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer la surface qui correspond à ça, à cette partie-là. Je vais la créer séparément du reste. Toc. Bon, j'utilise une spleen, hop, je fais ok. Donc là j'utilise beaucoup de spleen parce qu'il y a énormément de courbes euh, sur ce modèle. Donc je m'assure de bien coter correctement ma pièce. Hop. Ok, donc, voilà. Et donc c'est l'ajout qui m'a donné le plus de fil art ordre sur ce, sur ce modèle. D'ailleurs, c'est pour ça que je la, je la fais en première. Après la suite, vous verrez quand on, on aura fait l'ajout, au final, le reste ne sera pas plus compliqué. Tac. Euh... Je vais l'affiner un petit peu, on va dire ok que ça marche. Au pire je reprendrai un petit peu le design mais c'est pas non plus vital. Voilà, je fais un patch, ok, et donc là j'ai vraiment, j'ai la surface qui va arriver ici sur mon casque. Sauf que, si on regarde bien, si je fais réapparaître tout le monde et je cache le canvas, euh, le patch qui me sert de joue n'est pas du tout au bon endroit et il va falloir que je le ramène et ça c'est le gros avantage de fusion 360 c'est que vous pouvez faire des move copies et du coup ma surface tout simplement je la déplace là où j'en ai envie et là où elle ira le mieux hop et l'avantage aussi c'est que je peux toujours la modifier a posteriori Tac. Et donc moi ce que je vous recommande c'est de la déplacer axe par axe pour éviter de faire euh en fait, si vous la déplacez plusieurs axes en même temps, au final, vous allez vous retrouver avec une surface qui va se balader un peu partout, et euh, ça va être, ça risque d'être un petit peu euh, la panique à bord, voilà, tout simplement. Vous saurez plus trop où vous en serez, et ça va plus vous embêter qu'autre chose. Ok. Alors, j'ai modifié un petit peu l'esquisse de la joue. J'ai la faire un petit peu plus longue. Tac. Voilà. Je pense que ça m'arrangera qu'elle soit plus longue. Ouais, il faudrait même que je la fasse encore beaucoup plus longue. Euh, ok. Pof. Ok. Je vais retravailler mon move copy. Euh, typiquement ce que j'aimerais en fait c'est que voilà, le bas de la joue ici de cette surface que j'ai dessinée descende plus bas pour pouvoir le, le réajuster plus tard. Ok, alors là par contre. Je trouve que l'esquisse le, le, que j'ai fait ne correspond enfin, ne va pas du tout. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de beaucoup plus long. Tac. un tout petit peu la base ok euh, là ça sera mieux quand même ce sera un petit peu plus pratique ok et donc là tout le jeu c'est de réussir à positionner la joue de la manière que vous voulez pour avoir le résultat qui fonctionne ce que vous pouvez aussi faire c'est que vous vous positionnez la joue vous ajoutez les surfaces et ensuite après vous la réajustez comme vous voulez, parce que voilà, vous vous retournez dans la timeline et vous changez comme bon vous semble. Ok, donc là, il faudrait que je la fasse rentrer un peu plus comme ça, parce que la joue est vraiment intérieure. Ok. Ok, ok. Alors à savoir, quand vous modélisez, bon là, j'essaie de faire les choses un petit peu vite, parce que vous êtes là, mais typiquement, euh, si vous prenez le temps qu'il faut pour faire vos pièces, hein... Hop. Ok. Ouais bon allez, on va dire que c'est correct pour commencer. Je vais vous montrer comment passer à l'étape d'après. Ok. Ok ok. Maintenant que vous avez votre joue, on va la réajuster un peu après. Il faut la connecter au reste, au reste du casque donc qui est ici. Et le tout le problème, c'est que si vous faites un loft directement. Bah en fait votre loft va essayer de se connecter à l'ensemble de la joue et là le problème c'est que ça marche pas très bien euh, du coup ça vous fait un truc un peu bizarre et l'astuce que j'ai trouvé ok je supprime ça va être en fait de faire tout simplement un plan qui va venir couper votre joue donc vu que c'est un plan en fait la joue que j'ai créée je peux créer une sketch dessus ok et ce sketch Tac. va me permettre de couper grossièrement ma joue en deux je fais ok je fais un split face Donc vous allez voir là c'est un petit peu abstrait dit comme ça c'est un petit peu mal expliqué mais vous allez voir par la suite ok je fais mon split face C'est déjà fait hop je cache ça donc voilà tout ce que j'ai fait en fait bêtement c'est que j'ai coupé ma joue en deux ça fait un trait moche mais vous inquiétez pas ce trait là en fait qui est ici aussi donc j'ai procédé avec la même méthode quand vous l'imprimerez ou si vous faites un rendu graphique euh, dès maintenant, euh, ce trait-là, vous voyez, n'apparaît pas visuellement. Alors là, il apparaît ce qui montre qu'il y a deux surfaces. Mais si vous regardez, en fait, ce trait-là n'apparaît pas. Et donc, euh, ce n'est pas un problème de couper votre joue en deux. C'est juste pour que vous, ça soit plus pratique euh, pour bosser. Ok, ok. Alors, avant de connecter ma joue, je vais la recouper par rapport au reste. Je vais reprendre la surface que j'ai utilisée tout à l'heure. Euh, elle, est cachée, elle est cachée là, ok. Et donc je vais couper rapidement ma joue pour l'ajuster en fait par rapport hop, au reste de mon casque. Je ne stitch toujours. Voilà. Et maintenant du coup, gros avantage, c'est qu'en fait, en ayant coupé la joue en deux, ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire de faire un loft sur cette partie-là. Ok. Et ensuite, je peux lui dire de faire un second loft sur l'ensemble de cette partie-là. Et il m'a pris. Et Voilà, en fait, euh, c'est pour ça que du coup je suis obligé de couper la joue en deux. C'est parce que sinon le loft il m'aurait pris le, la continuité de la joue immédiatement, mais en tout cas, du coup, là ça me permet de séparer en deux et de faire la joue de la même manière que ce que l'on a sur le canvas. Donc, si on regarde sur le canvas, je cache mon body, hop, sur le canvas, sur le canvas, en fait, vous voyez bien ici il y a une surface et ensuite il y a une deuxième surface, et c'est quasiment ce qu'on va retrouver. Sur ce qu'on a fait. Il va me créer une surface principale ici. Ah, donc vous voyez, ma joue n'est pas très bien ajustée. Euh, il aurait fallu que je la rende un tout petit peu plus fine. Alors c'est vrai que la joue, euh, j'y ai passé des heures dessus. Ok, je finis la sketch. Et euh, je comprends totalement que tu te sois vraiment arraché les cheveux dessus. Même pour vous montrer. Donc pour vous voyez bien quand même la galère que c'est et que je trouve que c'est ce soit... quand même... Alors ça manque un petit peu de précision, je trouve comme méthode, mais en tout cas c'est vraiment... Euh... Ça marche très très bien le rendu. Vous regardez là, ça c'est toutes les versions que j'ai essayées, c'est toutes les fois où j'ai essayé de faire un casque et où ça n'a pas marché. Et vraiment j'ai mis 15 fois, j'ai dû mettre je crois 6 mois avant de réussir à faire un casque. Vous voyez ça c'était le premier casque que j'ai fait, je me suis retrouvé là, j'étais bloqué, je ne savais plus quoi faire. Ensuite après, on m'a... Alors là c'est pas très bien arrangé mais... Un jour, on m'a montré, on m'a donné des idées, et ça m'a permis de passer l'étape de l'ajout, qui est vraiment l'étape la plus dure et la plus galère. Et donc, vous voyez, c'est une méthode. Donc, ça manque un petit peu d'ajustement ici. C'est parce que j'ai pas très bien fait euh, mes lignes. Mais essayez de suivre cette méthode, et vous verrez que petit à petit, euh, vous aurez quelque chose qui ressemble énormément. Et du coup, bah, je pense que vous serez tout à fait satisfait de ce résultat. Au point avec des projections de plans très longs très pénibles alors là j'ai projeté un petit peu mais euh, j'ai projeté assez peu mine de rien vraiment j'ai juste projeté des, des choses pour me rendre compte euh, ce que je vous recommande alors je vais faire revenir à hein, des plans que j'utilise tout à l'heure pour avoir un assemblage vraiment de grande qualité pour avoir quelque chose d'assez propre sur la fin et de bien symétrique ici vous voyez en fait du coup j'ai fait une joue d'un côté et je devrais faire un miroir pour ajouter la joue de l'autre ce que je vous recommande, c'est de vous focaliser sur un côté. Alors, peut-être faire les deux en même temps, mais de vous focaliser sur un côté. Et, vous... et à la fin, vraiment, la fin de la fin, quand vous aurez décidé que ce modèle-là vous plaît et que vous allez l'imprimer, hop, bon, en fait, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un patch. Ok. Avec ce patch, vous coupez tout en deux. Et vous faites un miroir. Et comme ça, vous aurez vraiment un truc parfaitement symétrique. Parce que vous voyez, la méthode de la joue, elle est un peu délicate de refaire quelque chose d'exactement pareil. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à faire des miroirs à la fin pour avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Et je serais curieux du coup, Coméga, euh, si tu as encore les ressources, euh, si c'était des vidéos par exemple, de ce que tu as utilisé pour faire la première version de ton casque. Bah, je serais assez curieux de voir comment tu as fait, enfin en tout cas de comment la vidéo le montre. Euh, voilà, pour que je puisse m'inspirer un peu de ce que font les autres. Super, merci. Ok, et donc vous voyez, voilà, bon, moi ce que, vraiment ce que je vous recommande, c'est du coup, je cache tout, je ne me prends pas la tête. Et je fais un miroir de l'ensemble. Euh, je reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pour avoir voilà, quelque chose d'un peu plus réaliste. Dans l'absolu, euh, ce que je fais, c'est que je pourrais très bien travailler que sur une demi-face. Mais moi, et je pense que ça sera pareil pour vous, avoir l'ensemble du casque, ça m'aide à visualiser et d'avoir l'idée globale. Donc, je vous recommande, voilà, de faire plusieurs miroirs euh, sans vous prendre la tête. Voilà, je, je miroir plusieurs fois. Euh, je refais plusieurs fois la même chose, mais c'est pas grave, je m'en fiche de la longueur de la timeline, du moment qu'à la fin ça ressemble à ce que je veux, c'est l'essentiel. Voilà, donc là c'est de joue. Pas très très bien ajusté, c'est pas grave. Et maintenant on va passer à la suite du casque. Donc si je cache mon body, il y a ce renfoncement là. Que je trouve très intéressant à faire. Parce que vous allez voir en fait, avec le surfacique c'est super simple. Et quand je dis ça en live... J'ai vraiment intérêt à ce que ça fonctionne bien. Parce que sinon bah ça, ça fait un peu guignol. Ok. Tout ce que je fais, donc je recommence exactement de la même manière. Je crée une sketch de ce que je veux découper. Voilà, donc je fais un bel angle droit. Donc là vous voyez, il m'a rajouté la contrainte automatiquement. Je cote même pas. J'en ai pas besoin en fait de, de coter dans ce genre de cas parce que voilà, je veux que ça corresponde à peu près au canvas. Je crée une surface. Alors je vais faire apparaître les bodies, sinon il va me dire qu'il n'y a rien à créer. Ok. Et cette surface va me servir de surface outil pour travailler ma surface originelle. Je fais OK. Et donc là, comme tout à l'heure, je retourne dans Split Face. Je sélectionne donc, ma face à découper, c'est celle-là, et ensuite mon outil de découpe. Donc c'est la surface que je viens de créer. OK. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, et pourtant il m'a découpé. Euh, je vais cacher le canvas. J'en aurai plus besoin avant un moment. Je ne stitch. Et donc là, hop. Ah il m'a pas un sti stitch tout. Ok. Ah bah c'est moi, j'ai mal fait mon speed face. J'ai oublié de sélectionner la deuxième face. Ok. Voilà. Et donc là. Déjà j'ai réussi à retirer la matière assez simplement pour faire mon renfoncement. Parce que vous voyez en fait c'est le l'arrière du casque rentre un peu. Et maintenant, comment on va faire le reste Et bah grâce à... Ah, l'outil surfacique, on va pas se prendre la tête. Je fais réapparaître la face que j'ai donc la face qui est ici, et j'utilise l'outil offset. Ok, et je fais un offset vers l'intérieur. Donc je vais dire un offset de moins 2. Moi, j'étais peut-être plutôt mettre trois. 3. Je mets des valeurs un petit peu grandes pour que visuellement ça soit bien marqué que vous puissiez bien le voir. Mais euh, après en réel si vous voulez l'imprimer ou si vous en avez juste besoin d'un modèle, euh, mettez les codes voilà, qui vous sembleront les plus adéquats pour votre modèle. Okay. Et donc là, ce qui m'a créé, tout simplement, c'est en fait la même surface avec un petit offset. Et là, ça y est, c'est terminé. Je vais dans l'outil loft. Ok, tac. Et je sélectionne mon profil. Hop. Tout du long. Ok, tac. Euh, et alors moi, ce que je vous recommande de faire, en fait, ça va être de faire le loft en plusieurs fois. Euh, c'est pas très académique. On pourrait le faire en une seule fois, mais moi, ça me prend tellement moins à la tête de faire le loft en plusieurs fois. Alors par contre, après, c'est vrai que quand on repasse derrière, ça peut être un peu galère. Hop. Mais euh, voilà, le loft, parfois, je préfère le faire en plusieurs fois. Me tapez pas trop dessus si je le fais en plusieurs fois, c'est pas un drame. Du moment que ça marche et que le résultat est là, moi, ça me va largement. Ok. Et donc là, en deux minutes grand max j'ai créé le petit renfoncement qui est là et voilà et là ça marche parfaitement euh, si on regarde par rapport au canvas voilà, voilà. j'ai mon petit renfoncement et si on visualise juste bah euh, j'ai euh, voilà bien rien à dire le renfoncement s'est fait très très rapidement et ça c'est grâce à l'outil surfacique et donc euh, quand on a réussi à passer l'étape de la joue, faire le renfoncement comme ça c'est absolument pas compliqué ce qu'on pourrait même voir, alors ce que je n'ai pas fait sur mon casque perso, c'est que normalement ici il y a aussi un autre renfoncement. Je ne l'avais pas fait parce que tout simplement je n'avais pas envie d'en avoir un sur mon casque. Mais on pourrait faire la même chose très rapidement en prenant tout simplement un rectangle, en procédant exactement de la même manière. Tac. J'ai bien centré mon rectangle pour que ça soit propre. Ok. Et. Du coup je fais pareil, j'extrude ce rectangle qui va me servir d'outil. ok. Je fais toujours un split face. Donc là en fait je me simplifie la vie en sélectionnant uniquement les faces dont j'ai besoin. Euh, Peut-être qu'au début vous sélectionnerez trop de faces. C'est pas un drame non plus. Hop. Et hop. Et donc là, je ne stitch. Tac, ok. Et j'ai plus qu'à faire un petit offset de ma pièce. Euh, non, où est-ce que je vais moi Je ne pas créer d'esquisse. Je crée un petit offset. Toc. Je mets... Euh, alors je crois que sur le casque, je ne me rappelle plus trop, c'est assez profond. Je vais mettre moins 6. Ok. Je cache. Et j'ai plus qu'ensuite, en fait, à connecter tout simplement avec un loft. Voilà, en fait, l'idée c'est que vous créez des surfaces et vous les connectez entre elles avec un loft. Et là, bah c'est royal. Ok, donc là, il a bien voulu me prendre le Loft en plusieurs fois. Tac, parfait. Et là, je pense que si je passe au deuxième, il va me faire n'importe quoi. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà, Loft. Et hop. Et voilà, c'est terminé en 12 secondes grâce à l'outil surfacique. Et euh, donc, je sais pas trop. Par exemple, toi, Coméga, je sais pas. Alors, tu m'as dit que tu l'avais fait avec des points. Euh, je sais pas trop toi comment tu l'aurais vécu euh, pour cacher les faces alors oui c'est vrai que pardon je, je passe un peu là-dessus normalement pour cacher les faces il faudrait euh, directement cliquer sur l'œil qui est là mais en fait V euh, V est le raccourci clavier pour cacher les faces et euh, quand on travaille en surfacique vu qu'il y a énormément de faces c'est euh, vraiment, vraiment un raccourci à utiliser pour le coup parce que sinon ça serait un peu trop long donc pour voir les raccourcis donc voilà par exemple j'ai fait clic droit et là il me montre show hide donc je sais pas si vous voyez bien le V mais donc le raccourci clavier c'est V voilà, très bonne question, c'est que vrai que c'est des choses auxquelles je ne pense pas. Mais euh, voilà, le, le raccourci clavier est très très utile. Ok, et donc là maintenant, hop, si je veux avoir un casque, hop, je fais un grand stitch de tout le monde. Et donc là, en fait, le stitch, ça va recoudre les faces entre elles. Et du coup, je vais avoir une grande surface qui représente mon casque. Ok, voilà. Bah ben voilà, c'est pas mal déjà quand même j'ai vraiment quelque chose qui ressemble à mon casque deuxième chose que je peux rajouter donc si on regarde euh, voilà, si on regarde mon casque à moi celui que je me suis fait alors là ça va être un petit peu subtil je vais peut-être avoir un petit peu de mal mais ce que vous voyez par exemple ici quand j'avais débuté donc vraiment ce casque que je l'avais fait je ne m'y connaissais pas trop j'avais ici fait une erreur au niveau des surfaces et ça avait créé des bourrelets un peu moches et euh, pour par exemple pour là voilà, cette pièce là ça avait fait quelque chose d'assez étrange donc je vais réessayer ré en fait tout simplement de faire avec vous cette pièce là cette, cette petite avancée là, et j'essaie de la refaire proprement avec vous sans me rater, tout simplement déjà sans me rater, ça serait pas mal. Ok, alors je me rappelle à peu près de pour, le pourquoi, du comment, de ce qui avait un petit peu raté, de ce qui avait un peu cafouillé. Alors, donc pour faire cette oreille là, ce que je vous recommande de faire pour commencer, c'est de faire un offset du bol. Ouais, on va faire un offset du bol. Est-ce que je peux lui donner une distance Non. Il me semble que le bol, j'avais dû donner un offset de. À euh, première vue. Ah ouais. J'ai dû donner un offset de 4. Ok. Euh, Est-ce que ça se chevauche Non, ça se chevauche pas. C'est un petit peu. Donc là, je pense que je vais repartir dans les mêmes erreurs que ce que j'avais fait la dernière fois. Je le sens gros comme une maison. Alors, je réfléchis rapidement pour voir. Euh, du coup, le casque en surfacique, il est une épaisseur. Euh, alors, très bonne question. Vous savez quoi Je vais passer à ça maintenant. Ça me laisse le temps pour réfléchir au reste. Là, actuellement, euh, bonne question de Davin. Le casque, virtuellement, n'a pas d'épaisseur. Si on regarde ici, en fait, vous voyez, vraiment, c'est une surface. et une surface dans Fusion 360, comme dans tous les autres logiciels de modélisation 3D. Ça n'a pas d'épaisseur et ça pose problème parce que si vous voulez l'imprimer, il faut lui donner une épaisseur. Pour ça, vous avez une fonction toute simple. Vous allez donc Create, vous avez Ficken, et en fait, vous allez lui dire Bah, hop, je sélectionne mon body et tu vas l'épaissir. Voilà, en traduction, Ficken, en fait, c'est juste Fix, ça doit être l'épaisseur, et du coup, Ficken, c'est épaissir. Et normalement, si je fais drag vers l'intérieur, alors là, par contre, ouais. Ça va prendre un peu de temps, ça risque de faire planter mon logiciel parce qu'en même temps je suis en train d'enregistrer et c'est une opération qui demande beaucoup de calculs à l'ordinateur. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait tout de suite. Ok, donc là il est vraiment en train de ramer. Je ne sais pas si vous avez encore le live. Euh, ah si, je me vois encore. Ok, donc c'est normal. L'outil Ficken, ça va demander énormément de calculs et de temps à l'ordinateur. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait il va calculer plein de choses pour que du coup vous puissiez avoir un solide complet. Et donc là il est en train de mouliner. Ok. Alors je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon voilà mon ordinateur va ramer euh, pendant une plombe. Et pourtant j'ai vraiment pas un mauvais ordinateur, je peux vous l'assurer. Mais on verra ça, euh, voilà. Je vais, je vais prendre un petit moment après avoir terminé l'oreille pour en reparler. Mais effectivement, si vous voulez donner de l'épaisseur et l'imprimer en 3D, il faut utiliser l'outil Ficken. Bon bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça se termine. A savoir que l'outil Ficken est un petit peu capricieux, donc je vais prendre un moment pour en parler. Euh, tu le fais à la fin en général. Alors ouais, je le fais qu'à la fin. Euh, alors j'ai quand même envie d'en parler un peu maintenant. Parce que c'est quand même assez intéressant. Hop. En fait, l'outil Ficken il est un petit peu capricieux. On n'a pas beaucoup de contrôle dessus. Donc déjà, c'est pour ça que je le fais à la fin. Et euh, il ne fonctionne pas toujours. Donc ce que je vous recommande éventuellement de faire, c'est... Hop là. Donc je cache ça rapide c'est de faire euh, plusieurs fikun de plusieurs parties donc là par exemple j'ai stitché mon bol pour avoir une surface pour mon bol et ensuite je vais faire voilà cette partie là d'un bloc ok je vais faire un ficun de cette partie là ensuite je vais faire un ficun de cette partie là et je vais faire un combine donc un combine euh, où est ce qu'il se trouve ici alors il se trouve pas en surface ici quoi c'est logique le combine en fait vous permet de rassembler deux volumes ensemble. Euh, où est-ce qu'il est, -ce qu est Voilà, c'est ici. Et donc, vu que l'outil Ficken est un petit peu capricieux, ce que je fais en général, c'est que je Ficken une pièce. Une partie. Donc vous voyez, même là, pour une surface euh, toute simple, c'est juste un dôme. Il me demande un peu de temps. Euh, donc c'est pour ça que je le fais en dernier. Allez, charge un peu. Ok, je vais mettre moins 2. Ok, mais en tout cas, bon l'avantage de le montrer maintenant, c'est que vous voyez bien que si vous le faites chez vous et que vous vous retrouvez avec euh, un, un Ficun qui se met à mouliner et que, qui galère un peu, c'est tout à fait normal. C'est l'outil Ficun qui est comme ça. Et donc là, vous voyez, en fait, si je cache là, j'ai ma surface que j'ai euh, épaissie et il m'a créé la même chose, mais dans un volume. Et donc, vous voyez, là, c'est vraiment un body. Et euh, je peux euh, le save as STL et je peux l'imprimer. Voilà, et du coup, euh, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire comme ça. Donc je les ai séparés en plusieurs bodies différents. Tac. Et donc là, je resélectionne ma surface. Non, mais le, le lag, euh, voilà, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, ah, regarde. Très bon en plus, très bon avantage de le séparer en plusieurs pièces. C'est que tout à l'heure, euh, Fusion, Fusion 360 a failli cracher. Et là, par contre, il m'a fait le fiken en absolument deux secondes. Et euh, il a calculé beaucoup plus vite et voilà du coup là il m'a fait il m'a fait ficken vraiment super rapidement je fais ok bon alors le ok bon forcément ça demande un peu de temps ok et du coup là j'ai mes deux morceaux qui m'a fait en deux secondes que qui n'a pas planté parce que tout à l'heure je sais pas si vous avez remarqué mais il m'avait dit que c'était pas possible de créer une surface enfin de créer un body à partir de cette surface et du coup bah là ça y est j'ai mes deux volumes et si je veux les combiner ensemble bah, je vais dans modify dans, dans l'outil solide cette fois-ci je fais dans modify combine je sélectionne les outils enfin, les bodies pardon, que je veux et voilà et donc là parfait donc en faisant un fiction en faisant un combine salut à toi William et bah du coup ça m'a donné le casque dans un seul bloc et là c'est pas juste une surface tu vois tu vois qu'ici ça a vraiment une épaisseur et si je l'envoie dans Cura dès maintenant, je peux l'imprimer. Donc voilà, ça c'était l'outil Ficken. Donc c'était une très bonne question. Euh, alors je pense que vu l'heure qu'il est, il y a pas mal de gens qui vont redébarquer. Euh, souvent c'est l'heure d'affluence. Donc j'ai certainement en reparler. Mais donc voilà, pour les plus assidus et pour ceux qui étaient là en premier, euh, vous avez toute la réponse. Comment je fais quoi Parce que alors, du coup, on est un petit peu avancé dans le live. On a déjà fait pas mal de choses. Toc, toc, toc. Comment je peux corriger le truc Ok. Là, actuellement, ce que je vous propose de faire, donc, on va faire l'oreille. Donc, euh, je vais vous remontrer parce que c'est vrai qu'on a parlé d'autre chose. Vous voyez ici, en fait, il y a une espèce d'oreille. Donc, euh, dans le lore, c'est. Euh, ça sert du coup, il y a le télémètre qui passe ici. Et il y a du coup un petit peu de. Voilà, ça donne un petit peu de volume au casque. Et ça nous sert. Euh, bon, ça sert ça nous sert à nous, Mando, ça nous sert à plein de choses, à notamment à retrouver nos cibles. Mais donc voilà, on va faire cette partie-là. tac. Donc pareil, je recrée en fait tout simplement, je décalque mon esquisse. Ok. Et donc je vais créer une surface outil. Euh, alors pour, pour ceux qui viennent d'arriver, notamment pour toi, William, je, je termine ce casque-là et ensuite je vais reprendre tranquillement, je vais reprendre d'une autre méthode. Comment je réalise l'ensemble du casque. Donc voilà, si tu veux voir. Euh, là, je termine le premier pour ceux qui étaient là depuis le début. Et je vais, euh, ensuite, je vais montrer comment le faire d'une méthode un tout petit peu différente pour ceux qui viennent d'arriver. OK. Mais en tout cas, tu peux déjà commencer à regarder ça parce que hop, globalement, ça va réutiliser tous les outils euh, que j'ai utilisés pour le faire dans l'impression 3D. Là, vraiment, on est dans la modélisation 3D pure. Et je dirais même que commencer à modéliser en surfacique. C'est vraiment euh, avoir un bon niveau en modélisation 3D. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et je pense que ceux qui commencent à toucher un petit peu au surfacique, euh, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un outil très puissant. Et euh, notamment, donc pour ceux qui n'auront pas pu voir le début du live, je vous recommande d'aller voir euh, alors sur la chaîne. Donc euh, J'ai fait une vidéo dédiée au surfacique avec des Pokéballs. Il y a des petits exercices. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui sont là et qui regardent. Si vous avez un peu de mal à faire les fonctions que j'utilisais, si vous avez un peu de mal à comprendre certaines choses, allez voir la vidéo. Euh, vers la fin de la vidéo, j'ai mis des petits exercices que je corrige. Donc euh, pour vous entraîner, vraiment, c'est nickel. Et euh, j'ai fait ça parce que je trouve que le surface X, c'est vraiment un outil qui est incroyable, qui a une puissance phénoménale. Et euh, donc voilà, c'est un peu comme ce qu'avait dit, euh, je crois que c'était Coméga, euh, sans... C'est vraiment la méthode la plus simple que j'ai trouvée. C'est quoi comme impression bah Là, alors, du coup, là, on n'est vraiment pas dans l'impression. On, on est dans la préface de l'impression. Je modélise pour pouvoir ensuite l'imprimer comme je le souhaite. Euh, bah, alors, moi, mon imprimante perso, c'est une CR-10S. Après, euh, vous pouvez l'imprimer. L'avantage de l'avoir fait vous-même, c'est que vous pouvez vraiment le, le, ensuite le réutiliser et euh, soit le découper pour votre imprimante, euh, l'adapter selon vraiment vos besoins. Hop. Donc... Euh... Donc vraiment le faire vous-même, ça vous donne un avantage, je trouve, qui est assez phénoménal. Plutôt que récupérer un modèle sur Thingiverse qui sera pas forcément au top, euh, le faire vous-même, ça vraiment, ça vous simplifie la vie. Ok. Donc là, j'ai mon oreille, je l'ai retirée. Si je faisais un offset dès maintenant euh, de ce que j'avais créé, donc notamment cette face-là, euh, Fortnite. Je comprends pas trop ce que tu es en train de me dire, je vais pas te le cacher. Euh, c'est pas du tout un casque Fortnite, hein, c'est un casque Mandalorian. Euh, donc il a été popularisé par la série The Mandalorian, mais il existait voilà, bien avant et ça date de l'Empire Contre-Attaque. Ok. Là, si on regarde en fait, si je faisais un offset dès maintenant, donc comme ce que j'ai fait ici. Ça me donnerait un assemblage assez étrange, voilà. Donc euh, pour ceux qui ont suivi le truc euh, depuis tout à l'heure, ça me donnerait un truc un peu étrange, voilà. Je le dis euh, d'expérience. Vous voyez en fait, c'est ce que ça m'a fait ici en utilisant des offsets. Donc là, au lieu de réutiliser la même chose que tout à l'heure, je vais essayer une méthode un tout petit peu plus simple. Je pense qu'il donnera un meilleur rendu euh, pour ce qu'on veut faire. En tout cas, j'espère. On va voir ça ensemble. Ce que je fais, c'est que je vais créer. Alors, je ne vais pas créer une sketch. C'est que je vais créer un plan. Hop. Je vais regarder pour bien positionner ce plan. Et ce plan, en gros, va correspondre... Euh... Alors, attendez, je vais regarder comment je l'ai fait quand même tout à l'heure. Ok. Et donc ce plan, en fait, va me servir pour créer l'oreille. Et c'est là où va y avoir l'offset de l'oreille. Ok. Tac. Je crée une sketch sur ce plan. Et je vais requiser en fait, je vais tout simplement projeter l'esquisse que j'ai utilisée tout à l'heure. Elle est là, je projecte une discovery. Alors c'est le genre d'imprimante dont j'ai jamais entendu parler. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir euh, toutes les imprimantes qui sont arrivées sur le marché au départ, vraiment quand j'ai commencé l'impression 3D, euh, pour vous dire c'était euh, CR10S et Endor 3. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu euh, Tevo Tornado qui est arrivé, donc il a fait grand bruit aussi. Je vous fais ok. Et donc là, tout simplement, ce que je vais faire, ce que je devrais même faire plutôt dès maintenant, c'est... Hop, edit sketch. Voilà. Et je vais couper ces parties-là, sinon elles vont faire euh, un peu tout et n'importe quoi. Ah, je peux pas les couper aussi. Ok, et donc là en fait tout simplement ce qu'on va faire c'est un loft. Alors est-ce que le loft passe bien euh, Tac. Ok, nickel. Euh, je valide ce loft. Donc euh, je ne sais pas trop si pour toi, William, la, la Discovery fonctionne assez bien. Je suis toujours assez curieux quand les gens viennent en live euh, qu'ils me disent ce qu'ils en pensent de leur imprimante pour savoir si... Elle a bien fonctionné, s'ils n'ont pas eu trop de problèmes avec et tout, c'est toujours assez intéressant à voir. Ok, et euh, tu peux m'aider à commencer à modéliser. Bah écoute, sur la chaîne, il y a pas mal de tutos euh, de, pour débuter, il y a pas mal de choses à voir. Euh, essayé de faire plein de trucs différents, hop, qui soient accessibles à tout le monde. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les bases. Euh, alors après, n'hésite pas à venir en live. Bon, là, je termine ce, ce modèle-là, mais en tout cas, en live, on peut trouver. Euh, voilà, c'est un petit peu plus interactif. Et Donc pour ceux qui ont un peu plus de mal, c'est quand même plus intéressant. Ok. Alors là, donc j'ai commencé à faire, voilà, vous voyez, mon oreille qui est là et elle est droite et ça me plaît pas trop. Ça fait un truc un peu étrange. J'aurais pu le faire en, en différentes étapes, mais tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une grande line. Ok. Donc il faudrait que je mette assez bien. Voilà et en fait cette ligne va me servir à couper ma pièce et à l'ajuster correctement. Donc hop. Mais en tout cas pour ceux qui débutent euh, réellement l'impression 3D, qui éventuellement tombent sur ce live, euh, je vous recommande de ne pas commencer l'impression 3D par le surfacique. Je trouve que c'est pas le modèle. Euh, c'est pas le, le, le système le plus simple à appréhender, c'est très puissant. J'aime énormément le surfacique, mais pour débuter, je trouve que c'est pas le plus facile. Je trouve que c'est quand même bien mieux de passer directement en solide et puis ensuite, après, de voir comment on fonctionne en surfacique. Euh, ça évite de, de sauter une trop grande marche. Ok, donc maintenant j'ai juste réajusté euh, cette petite partie là pour que, avec le, le plan qui m'avait servi à couper euh, l'ensemble de mon casque tout à l'heure. Tac. Alors, euh, FreeCAD, très honnêtement, FreeCAD, je ne l'utilise pas. Euh, on m'en a parlé de FreeCAD. Euh, alors là, pour, pour ceux qui ont les oreilles sensibles, bouchez-vous les oreilles. Je trouve vraiment que FreeCAD a une interface utilisateur qui est dégueulasse et qui n'aide pas du tout à apprendre. Si Fusion 360 est devenu un logiciel de modélisation 3D aussi populaire, c'est que son interface permet de se former quand même facilement de bien comprendre et euh, FreeCAD vraiment c'est une purge je trouve que graphiquement c'est très très dur euh, voilà quand vous regardez l'interface de Fusion vous regardez l'interface de FreeCAD vous comprenez pourquoi Fusion 360 est un logiciel payant euh, tout simplement et donc euh... non mais alors je sais pas si c'est pour ça que tu rigoles Omega mais voilà j'ai rien contre FreeCAD euh, je trouve que l'open source est vraiment une très bonne chose mais ça ça rajoute un frein énorme pour débuter et, euh, et on voit bien pourquoi Fusion 360 est payant. Regardez-moi cette interface utilisateur. Si on va sur l'interface utilisateur de FreeCAD, c'est dur. Quand, quand j'ai commencé à voir, voilà, je pense que vous en avez tous entendu parler, euh, quand Fusion 360 a modifié sa politique euh, de paiement, vous savez, quand il a commencé à resserrer un peu la vis, c'était il, il y a un mois ou deux, tout le monde était en panique. Tout le monde disait ça y est, c'est la fin de Fusion 360. Et je me suis dit, bon, il y a une alternative. Il euh, y a forcément une alternative open source. Je suis allé voir FreeCAD et là je me suis dit mais 60 euros par mois, ça n'a pas de prix comparé à FreeCAD. FreeCAD c'est vraiment très très riche pour prendre l'abonnement 3D et euh, voilà je vous recommande largement. Euh, bon, je suis pas payé par Fusion 360, hein, clairement je suis pas payé par AutoCAD. Euh, du coup je peux faire voilà, un petit speech là-dessus en live. SOLIDWORKS, ça coûte euh, 500 balles par mois pour euh, la base, vraiment la base de la base. Fusion 360, c'est 60 euros par mois et encore, c'est le maximum pour l'ensemble des fonctionnalités. Et c'est vraiment pas cher. Euh, si vous travaillez dans l'industrie, en fait, vous comprendrez très très vite que euh, 60 euros par mois, c'est peanuts pour un logiciel de cette qualité. Et euh, alors, ça c'est vrai, c'est une très très bonne remarque. La communauté Fusion 360, elle est énorme et c'est pour ça que Fusion 360 c'est aussi bien. Euh, je ferai un live SolidWorks, alors déjà il n'y aurait personne et euh, de deux ça n'aiderait personne en fait. Personne n'utilise SolidWorks à part dans l'industrie parce que voilà, la licence ça coûte 1000 boules. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. SolidWorks, vous pouvez l'avoir pour 2500 euros avec toutes les fonctionnalités. Alors que Fusion 360, vous avez tout ça. C'est largement suffisant pour des hobbyistes. Euh, vous avez tout ça pour soi, pour euh, aller euh, pour 60 euros. Après, vous avez du générative design, mais ça, je pense que personne ne l'utilisera dans un niveau hobbyiste. Donc euh, voilà, rien à dire sur, euh, sur Fusion 360, même si c'est payant. mais Jamais de la vie, je vais sur F4, tant pis, je mets 60 euros par mois. Et pourtant, je suis euh, étudiant, je pas un salaire de dingue. Et pourtant obligé si jamais je perds Fusion 360 je le paye et je vais dessus parce que Fusion 360 c'est un logiciel qui est de très grande qualité et pour en avoir essayé plusieurs j'ai fait euh, du coup j'ai fait SolidWorks pendant des années pour rien au monde je retourne sur SolidWorks ça actuellement modélisé en surfacique euh, je ne saurais pas faire sur SolidWorks parce que je trouve que les outils sont moins moins pratiques moins utiles vraiment Fusion 360 a des avantages par rapport à SolidWorks qui sont énormes euh, ouais alors vraiment on n'a pas besoin de toutes les options euh, je pense notamment au... Alors l'outil Render, je une fois de temps en temps. Euh, l'outil Simulation, personne ne l'utilise. Euh, manufacture, j'ai commencé à l'utiliser parce que j'ai acheté une fraiseuse. Mais euh, voilà, hein, Fusion 360, pour le niveau hobbyiste, gratuit, c'est largement suffisant pour tout le monde. Il ne faut pas s'exciter là-dessus. Et donc, c'est en blablatant que j'ai réalisé euh, Tranquilax, euh, l'oreille qui est ici. Et donc vous voyez d'ailleurs... Je... Pour ceux qui étaient là au début, je l'ai beaucoup mieux réalisé que ce que j'avais fait avant pour moi. Parce que vous voyez ici, il y a un vieux rebord. Vraiment, j'ai fait un truc qui n'était pas propre. Et là, du coup, en utilisant cette méthode de, de ne pas... En fait, j'ai pas utilisé l'offset. C'est l'offset qui m'avait posé problème. Donc voilà. Euh, alors du coup, je, je parlais en même temps. Je ne sais pas trop si j'ai été clair sur la façon dont j'ai cette pièce. Mais donc, euh, tout simplement, c'est... Alors, je vais pas stitch tout le monde, donc je peux la refaire. J'ai créé une forme que j'utilisais pour découper. Euh, dans mon casque, voilà, toujours j'utilise des outils pour découper ma surface et ensuite, euh, voilà j'ai créé euh, une surface en offset hop hop hop, donc je commence à avoir pas mal de surfaces qui ont été créées, je l'ai réajusté pour que ça corresponde à la courbure de mon casque je l'ai extrudé et voilà, bon bah ça marche très très bien euh, comme d'habitude, donc euh, pour ceux qui étaient là au début, ce que je vous ai recommandé de faire c'était de euh, bah d'ailleurs, personne n'est Ok parfait. Ce que je vous ai recommandé de faire au début, c'était de faire des miroirs. Et donc là, voilà, tout simplement, je me prends pas la tête à le faire de l'autre côté, ni même à faire un miroir juste de la surface. Je cache tout et je fais un miroir de l'ensemble de mon casque. Hop là. Et donc là, il faut que je sélectionne face parce que je ne l'ai pas connecté. Ok. Est-ce que j'ai bien sélectionné tout le monde Ça m'a l'air bon. Hop là. Donc voilà, hein. je ne me prends pas la tête. Je fais juste un grand miroir ça fonctionne très très bien et si je devais faire hop si je devais faire euh, les, deux, les deux fonctions à l'opposé obligé je ferai des erreurs donc utilisez les outils miroir profitez-en c'est pas grave que vous voyez ici en bas j'ai euh, la longueur des fonctions qui s'accumulent ici j'ai plein de surfaces outils qui ne me servent plus ce n'est pas grave franchement c'est vous posez pas là, des problèmes ne faites pas des nœuds no cerveaux pour rien Faites-vous plaisir, déjà vous voyez. Euh, pour ceux qui voulaient modéliser un casque mandalorien, bah déjà là on en a un qui s'est fait en euh, alors je ne vois pas depuis combien de temps le live est lancé, mais euh, on a dû faire ça en une heure max et ça s'est fait euh, ça s'est fait sans, sans aucun problème. Voilà, c'est très très cool. Euh, donc globalement, on a l'idée du casque qui a été fait. J'ai tout terminé. Donc là. Dès maintenant je pourrais dire euh, le live est terminé mais je vais quand même vous montrer une deuxième méthode. Euh, je pourrais vous montrer comment faire l'arrêt du crâne. Je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez pas à le dire dans le chat. Euh, mais globalement, voilà, pour faire l'arrêt du casque, euh, j'ai utilisé la même méthode qu'ici. En fait, j'ai fait tout simplement un offset. Et euh, cet offset a réussi à faire l'arrêt. Euh, si si, ok bon allez, hop, je vais jusqu'au bout. Alors, pour faire l'arrêt du casque, comment je vais m'y prendre hop. Donc, pour faire l'arrêt du casque, ce qu'on peut faire, hop là, je fais une ligne, tac, et je vais leur faire une symétrie. Donc, en fait, cette ligne va définir la largeur de l'arrêt de mon casque. Euh, hop Et j'ai utilisé pour ça l'outil symétrie, donc un outil que j'adore, hop là. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve vachement bien avec l'outil surfacique, C'est là, ces lignes-là, en fait, je les crée juste comme outil et je me prends pas à la tête de leur code, tout ça, tout ça. Vraiment, je crée ces lignes et elles me suffisent amplement. Hop. Et c'est même pas grave, en fait, qu'elles touchent le reste du modèle, parce que vu que je les cache et que j'utilise l'outil split face, euh, bah en fait, ça me fait. Euh, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, qu'ici, elles touchent des surfaces que je ne veux pas modifier. En fait l'outil split face me permet de cibler vraiment la face que je veux modifier. Ok alors comment j'avais fait tout toc toc. Alors, je me rappelle plus trop, c'est vrai qu'à un moment j'avais voulu procéder d'une manière un peu différente. Euh, pouf 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 pouf. Bon hop, alors splinting tool tac. Ok alors ça je suis en train de me rappeler en même temps de la manière dont j'avais modifié la dernière fois et euh, donc ce que j'avais fait la dernière fois Hop, je vais vous montrer Est ce qui m'a bien un stitch tout le monde oui c'est dur à dire un stitch au bout d'une heure de live ça commence à être dur tac et donc en fait la dernière fois tout ce que j'avais fait simplement bah j'avais réutilisé l'outil offset tac et euh, toc 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 et donc j'ai bien un set de 4 voilà, donc j'avais fait comme ça typiquement. Sauf que ça avait posé un petit problème, en fait. C'est que du coup, il m'arrivait exactement la même chose qu'ici. C'est que là, j'avais un tout petit gap. Et même ici, en fait, l'outil offset va pas vous projeter exactement la surface de la même manière. Il va vous faire des petites. En fait, il va projeter d'une manière un peu comme si c'était sur une sphère, j'ai l'impression, parce que vu que du coup, le... tout est courbe. Et parfois, ça fait des trucs un petit peu brouillons. Donc là actuellement, si je faisais directement cet outil, ça me ferait une bavure, euh, donc une bavure comme ici. Et on veut éviter ça parce que euh, ces bavures, bah, déjà sur le modèle c'est un peu dommage, et ça risque de faire des trucs un peu, un peu aléatoires euh, quand vous imprimerez. Alors là, l'idée que j'ai comme ça, première vue. Euh... De quelle épaisseur on va faire la crête Ok, l'épaisseur, je l'ai faite exactement de la même épaisseur que le rebord. C'est logique. Ok, alors je vais créer un plane pour commencer. Ce plane, donc je vais prendre le plane du milieu. En fait, je veux que ce plane euh, suive la courbure qui est ici et qui soit exactement à la même distance. Donc euh, je vais prendre un point de référence. Voilà, ce point-là. Ok. Euh, tu peux me donner des sites. Euh, tout prend si tu... Alors, je ne comprends pas très bien quand même euh, ce que tu as écrit. Il faudrait être un tout petit peu plus clair, s'il te plaît. Ok, alors. Donc, j'ai créé cette, ce, ce plane qui va me servir à construire cette arête. Je vais le faire en plusieurs temps. Voilà, ça demande souvent plusieurs étapes euh, pour faire euh, voilà, quelque chose comme ça. Euh, ça demande souvent plusieurs étapes, donc... Euh, ça va être un peu abstrait au début. J'essaie d'être le plus clair possible. Donc, je vais reprendre au début. J'ai créé une sketch avec, sur mon plan original, celui qui est au milieu. C'est très important d'avoir des plaines de symétrie. Ça aide énormément. Voilà. Et ce que je vais reprendre, c'est la première sketch qui m'a servi, voilà, à faire cette courbure de dôme. OK. Et je vais la projeter. OK. Donc, elle est là. Euh, Est-ce que mon sketch est bien créé ici Je ne suis pas sûr. Euh, tac, ok, ça c'est bon. Fini sketch. Ok, euh, je vais créer hop, une sketch ici. Donc là, c'est en fait le, voilà. Le problème c'est que c'est un petit peu un ensemble de plusieurs sketches que je vais utiliser, donc ça va être peut-être un peu abstrait. Donc là, j'ai sélectionné le plan de référence. Donc le plan, quand vous avez créé de base euh, votre modèle, vous savez, quand vous entrez en fusion 360, vous avez un plan qui va venir. Couper euh, du coup votre casque en deux et donc là pour le moment je travaille sur ce plan. Hop, euh, je vais projeter sur ce plan l'arête, enfin la, la courbe qui m'a servi à faire ma pièce, mon dôme. Euh, il existe ici tout près pour les figurines. Bah alors tout simplement, je vais te les écrire. Fingiverse. Euh, donc voilà, Fingiverse premier site. Alors le site, le problème c'est qu'il a des serveurs qui sont en carton-pâte. Hop, factory. Ça, deuxième site, pas mal. Alors plus de choses un peu payantes. Mais par contre, il euh, y a vraiment de très très belles choses sur ce site, je trouve, sur My Mini Factory. Et ensuite, il y a Plus 3D. Donc voilà, c'est euh, ces trois sites qui proposent des modèles 3D tout faits. On peut trouver des casques de Mandalorian aussi. Donc voilà, ça dépend un peu de ce que vous recherchez. Mais il y a de tout sur ce site. OK. Alors là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un offset euh, de cette ligne pour qu'elle tombe pile poil. Alors oui, par contre ça ça m'embête ici ça va pas être continu, c'est assez dommage. Donc là je vais mettre un offset de 4. Ok. Euh, ok, donc ça je sens que ça va me pourrir la vie cette arête. Je sens que je vais vraiment avoir du mal à éviter l'arête un peu moche. Mais je pense que le faire de cette manière, ça va réduire quand même un peu. Les problèmes. Ok. Tac. Tac. Voilà. Ok. Euh, sites gratuits. Alors en fait, ils sont tous gratuits. Donc tu peux aller sur tous ces sites-là. La différence, c'est que. Euh, enfin, D'ailleurs, c'est la même chose sur Findiverse. Certaines personnes vont choisir de vendre leur modèle 3D et d'autres personnes vont choisir de les mettre en gratuit. Euh, donc voilà, c'est à toi de chercher et de voir si le modèle vendu est gratuit ou pas. Moi je trouve que bon, alors c'est sûr, quand on achète des modèles, c'est un petit peu souvent, voilà, c'est un petit peu agaçant de se dire j'ai acheté un modèle, mais euh, à la décharge des personnes qui modélisent, franchement, euh, parfois ça représente du taf. Vous voyez ici, si je fais un live dessus, c'est que voilà, ça intéresse des gens, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment modéliser un casque et euh, c'est assez technique. Ça demande du temps, donc les gens qui demandent, de, enfin, qui font payer leur modèle, j'ai pas envie de leur jeter la pierre parce que je trouve quand même, au final, c'est fondamentalement assez normal. Voilà, parce que c'est pas facile de modéliser ce genre de choses, donc c'est un peu normal que tout travail mérite salaire si on veut. Et du coup, celui que je te recommande, il bah, n'y en a pas vraiment un meilleur qu'un autre, hein, tout simplement, et tous sont assez bien. Hop là, tous sont bien, euh, chacun se vale. Tout dépend, tu cherches sur les trois, si tu ne trouves pas une chose que tu veux sur un des sites, bah du coup, va sur le deuxième et puis, et puis tu verras si tu trouves ton bonheur. Tac. Et donc là, je vais refaire un offset de mon esquisse. Et je vais refaire un offset de 4. Ok. Et là, donc là, normalement, en théorie, en théorie, pareil, ça ne tombe pas juste, moi, bon, c'est tout à fait normal. C'est la partie un petit peu galère, je vais faire un intersect, tact. Ok. Oh ça me paraît bizarre ça. Ouh là là, ça me paraît bizarre. Comment ça se fait que ça ne soit pas droit Pourtant, ils sont dans le même plan confondu en théorie. Euh, non, bah, alors je supprime ça. Ça me plaît pas du tout. Hop là. Ok. c'est un petit peu de travail d'ajustement. ok Là, vraiment, je ne sais pas trop ce que ça va me donner en termes de résultats. Euh... Pouf, 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 pouf. Euh, vous bâchez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Euh, je ne sais pas si les modos sont là, mais vraiment... Alors, je me disais qu'il y aurait plus de monde sur ce live-là, mais franchement, vous pouillez pas pour ça. On est combien là ouais, En plus, on est que 9. Euh... J'ai fait des lives avec plus de monde que ça. Vous Mettez pas sur la tronche pour si peu, euh, tac tac. Arrête pourquoi c'est pas continu comme je le voudrais. Les allées à Dieu direct, messieurs dames. Là, vraiment, j'ai un doute euh, pour bien réaliser cette pièce. Je comprends pas pourquoi il me la met pas comme ça. Ça reste gentil, bien sûr. Oui, oui, bon, allez. stack in, je le comprends. Euh, donc là par contre vraiment ça me fait me poser des questions sur la façon dont le logiciel va projeter mon mon esquisse. Euh, pourquoi ils sont décalés alors, Ah ouais ça va être l'offset qui n'est pas bon et du coup ça me donne un truc un peu bizarre. Ou okay. qui... Bah, alors je vais modifier mon offset en fait tout simplement. Alors voilà, tac. Ok. Donc euh, bon bah pour ceux qui sont là depuis le début, vraiment cette méthode n'est pas empirique. Je pense qu'il y a de meilleures façons de le faire. Et donc là vous voyez quand même ici ça bute un petit peu, ça va pas donner un résultat parfait pour cet endroit là. Donc euh, 4.12 hop ok. Donc là... Vraiment, c'est pas très académique ce que je suis en train de vous montrer, je suis en train d'un peu d'essayer de l'ajuster. Euh, de suivre ta courbe sur le rebord du front. Alors attends dit comme ça, je ne l'utilise pas très bien. Bon, en fait, ce que j'ai fait, vraiment, c'est que j'ai fait un intersect de cette courbe, de justement de la courbe du front. Et euh, du coup, je veux que cette courbe-là touche le front. Mais alors je ne comprends pas. Euh, ici, le trait devrait être parfaitement droit. En tout cas, il devrait pas être moche comme ça. Et vraiment, il est vilain. Hum. Tu ajoutes les personnes sur Facebook. Euh, alors, j'ai un compte Facebook. Ouais, il y a une, un compte Facebook à la chaîne. Euh, je ne suis pas énormément dessus, je ne vais pas te le cacher. Je suis plutôt sur Discord. Vraiment, si vous avez des questions, venez me les poser sur Discord. Euh, si vous voulez même qu'on discute de pourquoi c'est moche ici, bah vous pouvez aussi venir le faire sur Discord. Et d'ailleurs, si vous avez une méthode un peu plus propre que ce que je suis en train de faire, parce que là, vraiment, je suis en train de faire un peu Nawak. Euh, 4.1. Si vous avez une méthode un peu plus propre, n'hésitez pas à venir me la proposer sur Discord. Hop. Ok. Ok. Tac, vous savez quoi On va essayer comme ça, on verra bien. Alors ouais, bien entendu c'est le problème d'être en live, c'est que là je ne peux pas cut dans la vidéo pour prendre le temps d'essayer un truc un peu plus propre. Euh, voilà, je suis obligé de le faire comme ça. C'est pas grave, j'essaye. Advienne que pourra. Est-ce que ça va fonctionner Attention. Hop. Tac, je fais ok. Et Ensuite, je fais un deuxième loft donc euh, en fait, euh, donc euh, pour Davin surtout et euh, pour Coméga, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je connecte euh, tout ce beau monde, ok. Et ici, ça, toi, je t'avais vu venir. Ici, il va falloir que je fasse un rail, ok. Qui n'a pas voulu le rail, euh, c'est normal. Je vais faire rapidement un split face ici. Donc en fait là il n'a pas voulu me prendre le rail parce que c'est le même problème que pour la joue. En fait il faut que je coupe ici cette surface qui est continue parce que le loft, quand je dis tu me fais le rail par rapport à ici, euh, ça lui donne l'ensemble de la courbe. Alors que moi je ne veux que la partie ici, donc je vais rajouter, en faites une petite opération pour couper ma surface là. Alors, quel outil j'ai pour couper cette surface Oh là là, on commence à avoir des bodies qui s'accumulent. Ok. Ici la bavé ok. Donc, ça c'est le loft de tout à l'heure qui m'a fait nawak tac 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 tac. Ok, toi je te cache, je veux plus te voir et donc je vais trouver une surface qui va bien. Pas toi, est-ce que toi tu es là? Euh, et toi, ton Discord Alors, le, de, le lien du Discord, il est dans la description euh, du live. Voilà, tu peux le trouver. Euh, Normalement, tu dois le voir euh, tout de suite. C'est la première chose qui est visible. Ok. Ok. Alors, excusez-moi parce que, du coup, euh, voilà, parler un peu dans les commentaires en même temps. Euh, ça me déconcentre un petit peu donc je vais essayer de me recentrer dessus rapidement j'ai supprimé une opération que je n'aurais pas dû supprimer Hop. ok je reprends cette partie là je vais couper ici et ça va me permettre de réajuster mon loft correctement pour que j'ai quelque chose de propre Ok, je retourne dans Split Face. Alors, deux possibilités. Soit il ne me prend pas le Split Face parce que ça ne me touche pas suffisamment. Soit du coup, je rajoute rapidement une matière supplémentaire pour cuter euh, ce tour de cercle. Ok, parfait. Il me l'a coupé, c'est nickel. Tac. Et du coup, je peux me faire d'ailleurs un stitch ici. Ok. Euh, je te cache-toi, toi, je n'aurai plus besoin de toi. Ok. Euh, première chose, non, alors reviens ici, j'ai toujours besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Et du coup là je refais un petit loft rapide. Ok. Et je reprends le rail. Donc là normalement le rail il va me le prendre. Allez, vas-y mon gros pur, il veut pas prendre le rail. Ok. Euh, je peux le prendre dans le sens inverse aussi. Ok. Euh, si je prends ici, est-ce qu'il va me le faire proprement Je m'en doutais. Ok, j'annule. Alors là, du coup, bah on improvise, on s'adapte. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que au lieu, euh, en fait, le loft, euh, au lieu de le faire en disant que je relie ces deux surfaces entre elles, en fait, je vais dire je relie euh, ces deux lignes entre elles et je vais donner comme rail ici. Donc vous allez voir, euh, donc l'avantage d'utiliser le loft d'une manière totalement différente. Je retourne dans mon split face. Tac. Face to split. Hop toi t'es là. Tac. Et là, il a pas voulu me le couper. Oh là 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 là. Ok. Alors ça va être désolé pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que euh, du coup, parler en même temps, répondre aux commentaires et tout ça, euh, je me déconcentre un peu, je fais des petites erreurs d'inattention. J'en suis bien désolé. Hop là. Tac, tac, ok. Je finis, ok. Euh, je reprends le loft que j'ai fait pour qu'il aille bien jusqu'au bout parce que je n'avais pas fait attention. Je n'ai pas tout sélectionné, tac. Voilà. Donc là, normalement, ok, donc là, il veut plus le split face. C'est normal, je changé la face. Face to split, splitting tool, c'est lui, hop te tracasse pas pour ça non mais voilà, bon, là bon, c'est un peu normal c'est vrai que bon quand j'ai après modélisé voilà je me disais tout seul je me prenais pas la tête il y avait personne pour m'embêter mais là j'ai choisi de faire des lives il faut que je m'occupe d'animer un peu euh, le chat tout en vous montrant et en essayant d'être clair au maximum ok euh, tac voilà je préfère dire les choses ça vit qu'après ça soit le bazar. Hop. Alors, je vais vous reparler d'un truc et d'ailleurs, bah ben voilà, ça me fait penser. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, cette fois-ci, donc deuxième essai. Est-ce que ça a marché cette fois Ok. Je vais essayer de créer mon loft à partir de tout ça. Ah, il m'a pas pris l'autre. Quel traître Pourquoi toi t'es pas un stitch ce qu'il y a bien deux surfaces au moins Même pas ah, là, là, là. hop. Face to split. Donc on comprend l'idée, sinon t'embête pas. Ouais, bon là, après je vais, je vais le terminer histoire d'eux quand même, histoire d'être un peu perfectionniste. Ok. Parce que normalement, voilà, là, ça y est, c'est... Je suis arrivé au bout du rouleau. Normalement, ça devrait se faire tout seul. Et du coup, voilà, là, je sélectionne mes rails. Allez, s'il te plaît. Fonctionne. Et il ne veut pas me prendre mes rails, mais purée. Pourquoi il ne veut pas me prendre mes rails Uh, the Rick right intersect. Oh, ok, il ne s'intersecte pas correctement. Ok. Ouais, bon, alors là, j'ai vraiment. va euh, être plus simple sur FreeCAD. Bah ouais, alors mon avis que franchement, FreeCAD, ce logiciel de qualité, euh, nous permettrait de le faire de manière parfaite. Euh... Attendez, en fait, je crois que j'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Alors oh, vraiment, bon, si ça, ça marche. C'est que vraiment je me suis pris la tête pour Je pense que vraiment ça n'a pas donné un résultat correct. Ok. Là, il a pris tout le monde. Et si je fais ça, ça me donne quoi Ok, ouais, bon, ça me rassure. Ça donne un truc totalement moche. Ok, euh... Ok, alors en fait, euh, le, le bug il est assez simple. Euh, donc si vous avez déjà souvent utilisé l'outil loft, en fait l'outil loft a besoin que tout le monde soit bien connecté ensemble. Et donc là, à première vue, il y en a un qui ne doit pas être connecté pile poil avec l'autre. Donc c'est là où l'outil loft est un peu tout petit peu ingrat c'est que dès que ça tombe pas juste et ben il va vous jeter euh, d'ailleurs je vois pas pourquoi il veut me jeter en fait ah, attendez est ce que j'ai pas fait une erreur toi je te cache là je vais retenter un coup et puis après si ça ne marche pas c'est pas grave on va revenir en arrière et je vais vous montrer un truc intéressant si vous voulez faire vraiment vos pièces ok guidrail allez s'il te plaît mon grand et il le veut pas euh, le rail ne touche pas le profil. Ah ben oui, tout simplement, bien sûr. Mais oui, mais c'était sûr en fait. Mais oui, mais c'était sûr. Ah, il le veut toujours pas. Euh, the rail is not smooth. Tangent Edge, tu le veux pas non plus. Ok, je vois quand même un petit peu capricieux cet outil. On va pas se mentir. Euh, comment j'aurais pu faire Ah oh, ouais, je sais. Très vraiment, je suis en train d'essayer tous les outils pour que ça fonctionne en live, quoi. Euh, même ceux que j'utilise jamais. Là. Hop hop hop. Surtout, il faut que je marme un peu de courage parce que, alors, la semaine prochaine, de ce que j'ai prévu, euh, est-ce qu'il me l'a pris ou pas La semaine prochaine, ce que j'aimerais faire, c'est un casque de Stormtrooper. Euh, et alors là, honnêtement, un casque de Stormtrooper, je n'en ai jamais fait. Et euh, faire ça en live, ça va être toute une aventure. Et, euh, et du coup, on utilisera des outils un peu différents. Pour le cas de trooper ça va être très très dur et vraiment j'ai envie de le faire. Euh, voilà, j'ai envie de le présenter tel quel. Je ne sais pas trop euh, ce que vous en pensez d'aller en live et de vous montrer un truc que je ne sais pas forcément faire. Tac. Euh, faire une extrusion en suivant la trajectoire. Bah, le problème, c'est que si je suis l'extrusion... Ok. Je vais te montrer... Hop. Si là je suis l'extrusion directe, et ben en fait ça va pas suivre la courbe et ça va, euh... ben en fait ça ne va pas suivre la courbure du front. Et moi je veux que ça suive la courbure du front, sinon c'est pas très beau. Loft, ok. Rail. et euh, toujours euh, almost intersect et profile using a single ray right. ok alors très bien en fait donc l'idée que j'ai eue a l'air d'avoir un peu fonctionné mais ça serait beaucoup de temps de travail pour euh, si peu est ce que je peux pas un peu abréger l'ensemble ça me paraît compliqué Ouais, moi bon, ça m'embête vraiment de laisser un truc comme ça aussi moche. Et là, ça laisse quoi OK. Mode solide, si tu fais une extrusion euh, de forme en suivant une trajectoire. Alors normalement, je pense qu'il doit y avoir la même chose en extrude. Start. Euh, du coup, je pense que tu dois me parler d'un sweep, non Si j'essaye un sweep, je suis cette passe. Ah, ça me paraît pas déconnant, tiens. Euh, alors pourquoi je vois rien euh, okay, okay. Si je fais un juste, un sweep. Euh, tac, annulé. Hop. Quoi, il me le veut juste en passe Non. Je... Ok. C'est dommage parce que là, il me le prend pas comme je le voudrais. Euh, donc, hein, j'essaye un peu. Euh... Alors, je sais pas si c'est tout à fait l'idée que tu m'as proposé, mais en tout cas, ça me paraît pas du tout euh, déconnant comme idée. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à faire un truc Hop. avec ce que tu m'as proposé. Ok, tac, tac, finish sketch. Ok, euh, okay. donc là, il a caché tout le monde. La sketch, elle est là. Ok. Alors bon, c'est un peu dommage. Je vous ai tant vanté l'outil surfacique. Single pass. Euh... Je vous ai tant vanté l'outil surfacique pour que, comme quelque chose étant de parfaitement modulaire, parfaitement efficace. C'est vrai, c'est vrai. Et donc parfois, c'est un petit peu galère. Voilà. Bon, il n'y a pas toujours la solution la plus simple pour tout. Je suis le premier, désolé. Euh, et là, c'est vraiment je sens que si je passe une heure dessus, ça ne va pas servir à grand chose. Voilà, c'était la partie un poil délicate. D'habitude, c'est la joue que je trouve plus, plus complexe à faire. Et là, il ne le veut pas. Euh, ruled, c'est quoi Rouled Roulé de surface from Selected Edge. Euh, partir de la sketch pour suivre le dôme. Partir de la sketch. Ouais mais il n'y a pas beaucoup d'outils en fait qui proposent de suivre une sketch comme ça. Et si je prends directement le profil, si je prends tout en profil Ah ouais, ça pourrait marcher peut-être ça, non Ah il me l'a pris en 50 profils différents. Euh, logiciel de mort. ouais je peux carrément faire comme ça tac parce qu'il faut penser en trois dimensions je sais vous me le dites souvent doc tac bon je suis désolé si c'est un petit peu long je vais pas tarder à abréger de toute façon si ça marche pas là euh, je m'en veux c'est moi qui t'ai poussé alors ouais non non mais alors c'est honnêtement je l'ai montré euh, là où j'étais bête c'est que ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé là dessus et du coup bon bah voilà ça me tombe sur le pif euh, c'est pas grave, au pire, euh, voilà, putain, c'était ça. Mais oui, j'aurais dû commencer par ça tout de suite. Alors, ça fait un truc un peu crade, mais voilà. Voilà, à force de persévérance, euh, c'est tout à fait normal. Et puis, bon, bah, voilà, du moment que ça marche, ça marche, ah, ça me fait plaisir. Voilà, ok, c'était à ça que tu pensais. Bah écoute, c'était une très très bonne idée. Là, pour le coup, je l'avais pas eu du tout. Et hop, tac. Qu'est-ce que je ferais sur mes fidèles viewers de toute façon Je crois que je ferais pas grand-chose. Et donc voilà, bah elle arrête. Pas mal, mais c'est bien vu ça. Ok. Et bah du coup, j'ai plus qu'à reconstruire l'ensemble. Parfait. Euh, alors ce body là, alors je ne sais même plus si les body correspondent proprement. Donc je vais juste recréer un loft. Je vais pas me prendre la tête. Tac, tac. Euh, j'ai perdu cette pièce là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ok là, c'est bon. Okay, donc je vais faire réapparaître un peu tous ceux qui sont utiles ok toi tu m'es utile je te garde voilà voilà ok bah très très bien bien vu bien bien vu Hop. Euh, toi alors toi je veux pas de toi tac 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 alors euh, il manque une surface ici je scroll je scroll toc 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 Ou alors est-ce que je l'ai supprimé par inadvertance C'est pas impossible. Euh, ça m'arrive de temps en temps de perdre des surfaces. Tac. À quel moment elle a disparu euh, Cette face-là. Tac. C'est quand j'ai fait mon stitch. Euh, pff, hop, 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 hop. Normalement, elle doit être dans les premières surfaces. Hein. Hop, tac, tac. Ah, si j'ai perdu une surface sur une opération. C'est un peu les boules. Tac. Oh, puis voilà. Donc, je la retrouve pas ce que je vais faire c'est hop je la prends elle je vais lui faire un miroir je vais la réutiliser hop là on se prend pas la tête euh, rotenum ouais alors euh, je devrais la renommer c'est vrai mais en fait là elle était visible dans euh, quand elle était stitch avec toutes les autres donc je crois que si je la renomme euh, je pense que ça va toutes les renommer donc voilà je vais juste faire un miroir pour récupérer l'autre euh, ça ira amplement tac Bon, c'est un petit peu bourrin, mais c'est les aléas du direct. C'est pas dramatique. Euh, rapidement, hop, je stitch un peu tout le monde histoire d'avoir de nouveau un monobloc de référence. Et là, par contre, vous voyez, ça, ici, c'est un petit peu traître à ce niveau-là. Je vais pas vous le cacher que ça m'arrive souvent euh, de me perdre ou de me planter à ce niveau-là. C'est que quand je stitch ou quand je fais des miroirs, j'oublie ces petites arêtes-là. Euh, voilà, ça, ça m'arrive euh, perso, donc euh, faites attention, ça arrive à tout le monde, ce genre de, de truc-là. D'ailleurs, si ça m'arrive là, comme ça, en live, n'hésitez pas à me le dire. Ok. Alors, je vois que le sweep ne s'est pas passé de la manière idéale de l'autre côté, parce qu'il devait me manquer... Ah, Mmh, mmh. Il n'a pas suivi la passe comme il fallait en fait. Ok voilà là c'est mieux. Ok. Bon là forcément tout se casse tac. Tac euh, et toc tac. Toc, toc. Euh, tous mes surfaces tac tac. Qui okay, est là? Elle est là. Okay. Donc c'est normal, ça c'est en fait en remodifiant pour que ça touche bien. Tac. Donc si on regarde bien, voilà, là c'est pas mal. Donc j'ai quand même en deux surfaces, c'était assez... faudrait vraiment le reprendre différemment si on veut avoir qu'une surface propre. Euh... Pouf, 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 Tac. touche plus de voir non plus. Je pense que si on voulait avoir vraiment une surface bien propre, il faudrait le reprendre différemment. Et réfléchir correctement là je, je l'ai fait un petit peu mal voilà mais en tout cas il y a l'idée en fait euh, ce pourquoi j'insiste sur ce genre de choses et je prends le temps de la faire parce que euh, c'est le genre de problème qui vont survenir quand on va faire le le ficken et c'est typiquement le genre de trucs qui vont faire planter votre fiken si euh, vous y prenez un peu mal à ce niveau là Hop là donc donc j'ai quand même tenté de rajuster un peu proprement. Est-ce qu'il m'a pris le split face euh, Il ne l'a pas splitté. Okay. Donc en fait, voilà, je prends le temps de les refaire parce que d'expérience, je peux vous dire que si vous ne le faites pas correctement, bah, ça, vous fait, euh, ça, ça vous fait planter le ficun. En fait, très souvent, il va être, euh, il va être tout pourri et euh, je n'ai pas envie d'avoir un ficun tout pourri. Je peux même pas re euh, Lui, il coupe quoi Il coupe qui Ok. Euh... Ouais, ok, si, si, vraiment, ça fait... Euh... Donc, ça n'a pas marché à 100%, c'est dommage. Euh, donc, il faudrait juste que je recrée euh, un plan de coupe. Ok. Sketch, donc là je vais vraiment pas me prendre la tête, toc, mais je me, là j'ai vraiment l'impression de refaire les mêmes erreurs que j'ai fait la dernière fois, donc euh, non, ok, toc, donc voilà. Bah après, c'est un outil qui demande un peu de temps à maîtriser. Et bon, bah, bah, je continue toujours à prendre, hein, comme tout le monde. Hop. Ok, un stitch. Toi, je veux plus te voir. Toi et toi, vous êtes ensemble maintenant, unis jusqu'à la mort. Donc voilà, même là, ça m'a fait un petit bourrelet. Je ne sais pas trop d'où il vient ce bourrelet Ok, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Et voilà, donc là, du coup, on reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est je prends mon profil, hop là, et je fais un loft. Ok, et là, normalement, il est censé suivre mon profil. Et pourquoi il ne l'a pas suivi Parce que je n'ai pas dû sélectionner le bon profil, tout simplement. Tac, et si je te dis lui, ok, c'est mieux, c'est propre. Très bien, ben bah voilà, on commence à en voir le bout. Hop je ne sais même pas si on le temps de parler de la deuxième méthode. Ok, bon. Voilà, j'ai une moitié qui est pas mal. Tac. Euh, et du coup, bah en fait, l'avantage d'avoir vu euh, la crête, c'est que si vous voulez faire le casque de Mando, donc exactement le même casque, euh, il y a une petite crête sur le dessus. Et donc voilà, ça vous donne un peu déjà l'idée de base que j'utilisais pour faire ma crête. Même si là, vous avez vu que c'était pas... Euh, la méthode la plus efficace pour le faire, en tout cas la celle qui présentait le moins d'erreurs. Parce que j'ai bien tout le monde. En tout cas, ça vous donne voilà une piste pour essayer et pour vous lancer là-dedans. Ok, tac, tac, stitch. Et pof. voilà. Et voilà, bah du coup là j'ai mon casque qui est terminé. Donc il euh, y a la crête. Donc à moins que qu tu ait d'autres trucs à faire faire comme ça là, des petits, des petits pièges, des petits traquenards, euh, je pense qu'on a un peu tout vu sur ce casque. Ok et du coup bah alors là le truc intéressant ça va être de refaire un ficken du casque avant avant de reparler un petit peu du ficken. J'aimerais vous montrer un truc euh, du coup pour euh, pour ceux qui ont bien tout suivi. Euh, un truc qui vous sera très intéressant pour le ficken en fait un truc qui est vraiment, qui est très important ça va être l'histoire de reverse normal en gros okay, je vais vous donner un exemple. Parfois quand vous allez faire votre surface, vous allez avoir une surface qui va être jaune par rapport aux autres. et en fait si vous regardez à l'intérieur elle est grise. En gros très simplement en fait c'est que quand vous créez des surfaces dans un logiciel de modélisation 3D, il va vous faire une normale à votre surface. Donc c'est-à-dire que là, virtuellement, le logiciel, il s'imagine qu'il y a un vecteur qui ressort de cette surface. Et ce vecteur ne va pas dans la même direction que tous les autres. Donc tous les autres, là, ils vont vers l'extérieur. Et il y en a un, lui, il a décidé d'aller vers l'intérieur. Donc ça peut arriver parfois. Et si vous faites un ficun en général, ça va vous faire un peu n'importe quoi. Ça va vous faire euh, vraiment des trucs assez crades. Donc ce que je vous recommande, quand vous êtes... Là, dans ce genre de cas, que vous avez toute une partie grise et qu'il y en a juste une autre qui est, euh, qui est jaune, bah, n'hésitez pas à utiliser l'outil Reverse Normal. Vous cliquez dessus tout simplement sur la surface qui n'est pas dans le bon sens et va vous la tourner. Euh, vous, visuellement, ça ne changera rien. C'est juste que ça risque, si vous avez des problèmes voilà, en épaississant, ça peut arriver ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Donc, euh, je vous le montre comme ça, au moins, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Alors. Omega demande euh, l'éclat sur le front de Boba. Alors écoute. Hop, je vais regarder. Euh, j'ai juste regardé. Alors non, j'ai dans le canvas. Autant pour moi, j'ai pas besoin d'aller sur internet. Si on prend le canvas, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dessus. Euh, sur le canvas, il doit y avoir l'éclat qui est là. Ok. Alors il me semble que ouais, donc normalement, il n'est pas tout à fait de cette forme-là. Mais on va dire, ok, pourquoi pas. Euh, alors... Tout alors normalement là j'ai un truc en tête euh, parce que j'ai jamais fait. Hein. Là euh, vraiment si je n'y arrive pas maintenant, bah eh ben, je n'y arriverai jamais. Mais écoutez j'ai une bonne idée pour le faire. Pouf 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 euh, donc je vais créer un plan. Ok ce plan là va me servir à découper euh, l'extérieur de l'éclair, celle qui est en contact avec ma première surface. Et ensuite après on va voir pour faire la partie intérieure. Mais quand ça sera fait ce sera Déjà gagné. Ok. Je vais créer un plan. Alors pour faire le plan, j'ai tellement d'outils. Je ne sais pas lequel sera le plus efficace. Euh, j'ai envie de faire... En fait, j'aimerais bien que ce soit tangent à ma surface. Mais j'ai pas vraiment de plan qui me le permette. Euh, donc je pense que je vais créer un plan en trois points. Ou en deux points. J'aime le compliquer la vie. Euh, ouais ouais c'est pas grave non franchement je pense que ça va bien se faire donc ce que je vais faire je vais commencer par faire un axe par rapport à deux points ok tac et ensuite je vais créer euh, ah ça a l'air pénible de faire ça non de faire l'éclat franchement euh, là je le sens assez bien j'ai confiance donc euh, venez pas briser mes rêves je pense que je vais y arriver ça devrait pas poser de problème ok donc je vais faire un offset plane euh, plane long pass. Alors là, j'ai du choix, vraiment, c'est juste que je sais pas trop lequel choisir. Euh... Ah, c'est dommage qu'il ne veuille pas le sélectionner. To face height point, mid plane, plane height Ok, voilà, parfait, exactement, c'était ça que je cherchais. Ok, un plan par rapport à un angle. Donc, je vais créer un plan. Tac. Ok. On va dire 35 degrés. Ce plan va me servir à positionner le trou dans l'éclat. Ok. Je fais ça. Ok. Je, je vais sur la sketch du plan. Et donc là, déjà, vous voyez, quand on se met comme ça, quand on se positionne là, on peut déjà avoir l'idée du truc. Je vais faire un truc un peu... Hop. Alors là, j'ai vraiment fait un truc brouillon. Je vais essayer de l'affiner pour que ce soit un peu plus propre. Euh, J'aurais dû faire beaucoup moins de... J'ai vraiment été bourrin, j'ai fait trop de lignes. Hop connectez-vous, hop, merci bien, euh, est-ce que, alors ouais, alors ça c'est le truc qui m'agace un peu quand je fais ce genre de choses, c'est que là il me crée, vous voyez, des perpendiculaires dont je n'ai pas besoin, je ne veux pas de ta perpendiculaire, et je ne sais même pas, ok, voilà, Donc, je la reprends tout simplement, parce que là il m'a créé plein de, il m'a créé plein de relations et de contraintes, parce qu'il les a récupérées en faisant des projects automatiques, et là vraiment, j'ai pas envie de les avoir, j'ai envie d'avoir un truc très libre, hop, Hop, voilà, très euh, bien. Toc, toc, toc. Donc je positionne un truc qui ressemble un peu à un éclat. Alors ici, je vais rajouter une courbe en plus. Donc vous voyez à peu près l'idée. Hop, euh, voilà. Tac. Allez, on va, on va dire ça passe. Au pire, je pourrais toujours le remodifier après. Donc je fais réapparaître mes body. Hop. Et je vais faire un extra. Oula, j'ai pas vu, mais il est énorme par rapport à ce que je voulais faire. Ok, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Mais pas grave, j'édite la sketch. Hop là. Donc, je vais essayer de faire revenir tout le monde vers l'intérieur. Donc là, les, les avantages du surfacique, que je trouve, c'est que hop, ça devrait pas poser trop de problèmes à reprendre et à faire. Parce que ça, si je l'avais fait en solide, c'est le genre de, de, de partie que j'aurais dû anticiper dès le début pour être sûr d'avoir ce que je veux. Mais grâce au surfacique, bah, je trouve que c'est quand même plus simple. Hop, split face, tac. Hop, splitting tool, bah, c'est le body qui est là. Alors ça me simplifierait la vie de sélectionner directement le body. Alors vous voyez par contre au bout d'un moment les bodies commencent à s'accumuler. Tac. Tac. Ok. Donc bah voilà, l'idée est là. Euh, je vais un stitch. Ok. Ok. Là j'ai deux possibilités. Donc soit on refait comme tout à l'heure, on reprend le, la matière offset. Et du coup, voilà, il me offset ici, hop. Et euh, je peux refaire comme ça, Directos, avec un loft. Et euh, je sélectionne mon profil. Donc là, normalement, si je fais chain selection, hop. Et hop, voilà. Il me connecte directement. Euh, et bah, j'ai l'éclat. Ça y est. Alors après, bon, la, la forme euh, par rapport au vrai casse de Boba elle peut différer un petit peu, mais en tout cas je pense que comme voilà, qu méga tu ne vas pas maintenir rigueur, il y a l'idée, voilà, si tu veux le refaire toi-même. Euh, deuxième possibilité, si tu veux avoir un truc qui est un peu plus précis et euh, que tu contrôles plus, ce que tu peux faire tout simplement, donc si je retrouve le plan voilà, que j'ai utilisé qui est là, euh, si je reprends le plan, donc ce que je te recommande de faire. Euh, alors je vais dans construction, tac. J'ai le plan qui est là. Et en fait, euh, ce que je peux faire, donc pour avoir autre chose, c'est que je vais créer un deuxième plan. Et sur ce plan, je vais créer l'intérieur de l'impact. Ok. Et donc je vais mettre... Ouais, moi 16, ça me paraît pas mal. Du coup, l'avantage, déjà, je peux gérer à partir du plan la profondeur de l'impact. Première chose. Moins 20. Ok. On va dire déjà. Je veux, voilà. Après, je l'éditerai si je veux une, une profondeur d'impact et un petit peu plus grande, mais ça marche en tout cas. Et là, du coup, vous avez deux possibilités, et c'est pour ça que j'adore le loft soit vous projetez ce que vous avez déjà fait. Bon, alors je, je clique. Alors, je pourrais sélectionner le, toute la surface, mais franchement, je ne sais pas ce que ça va me faire si je me mets à sélectionner toute la surface. Ok, voilà. Donc soit vous vous projetez et ensuite vous faites un offset de cette surface tac euh, ok bon là la forme est un peu tarabiscotée donc ça va me fait un truc un peu étrange et à partir de là vous refaites un loft tout à fait possible tac tac bon, voilà ça c'est une des possibilités ou alors du coup le gros avantage du loft toujours parce que pour moi vraiment je trouve que le loft hein, c'est euh vous pouvez, en fait, je ne sais pas trop à quel point vous connaissez le loft et à quel point vous l'avez utilisé, mais euh, le loft, c'est euh, dans tous les logiciels de modélisation 3D, euh, vous pouvez faire des trucs incroyables avec le loft. Ok. Et sinon, deuxième possibilité, en fait, c'est que vous redessinez une deuxième sketch et, euh, qui n'a rien à voir avec la première. Et du coup, ça vous donne un intérieur un peu différent. Donc après là, c'est euh, selon ce que vous voulez faire, selon si vous voulez modéliser un truc un peu différent. Hop, tac. Euh, donc là, je vais faire change selection. Je pense que éventuellement, il va pas vouloir, pour la simple raison que voilà, je n'ai pas le même nombre euh, d'arêtes ici que euh, sur la partie qui veut projeter. Donc ça, voilà, je m'y attendais un petit peu. Euh, alors pour régler le problème, en fait, il faut suivre un petit peu quand même. Tac, tac, tac. Donc il faut suivre un minimum et il faut avoir au moins le même nombre euh, de profils pour éviter que le logiciel, lui euh, n'arrive pas à calculer en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, il faut un minimum quand même collé par rapport au reste. Mais sinon, en théorie, euh, si vous prenez le temps de le faire, vous pouvez avoir deux esquisses qui sont différentes et vous n'êtes pas obligé de faire des projects, vous n'êtes pas obligé de faire des, euh, voilà, des choses différentes. Et euh, du coup, le gros avantage de faire ça, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez bien quand j'ai fait l'offset tout à l'heure, mais l'impact n'était pas très refermé. Mais du coup, ça permet de le refermer un peu plus ou ça, le, ça vous permet de lui donner une forme différente. Tac. Et donc là, en théorie, normalement, si j'ai fait le même nombre, mais je vais pas franchement prendre la tête dessus. Voilà, parfait. J'ai fait le même nombre de profils et là, il me l'a pris. Ok. Et donc, vous voyez, bah là, après, ça fait des formes. Bon, le loft, ça, il peut un petit peu, un petit peu bouger. Hop. Et là, je finis avec un patch pour euh, refermer le truc. Et donc là, bah, globalement, j'ai l'idée de l'impact. Voilà, euh, donc ça c'était une des possibilités, euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a peut-être une autre solution, si jamais le loft ça vous prend trop la tête, ou non, euh, ça, je ne veux pas le délai, autant pour moi, tac, 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 ce qu'on peut peut-être éventuellement faire d'ailleurs, j'ai envie de voir comme ça, oula, t'en vas pas, euh, ah ouais, donc si je fais un extrude, il va me l'extruder n'importe comment, non, non voilà, j'ai pas, pas d'autres idées pour vous le montrer, euh, voilà je pense que le, la solution du loft c'est la seule solution qui existait. Hop hop et voilà et du coup ça tombe bien en plus ça, ça retombe avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure vu que là c'est pas de la bonne couleur il vaut mieux après pour que vous évitiez d'avoir des problèmes il vaut mieux faire un reverse normal de vos faces et ça vous évitera euh, plein de bugs voilà alors là, je pense que c'est la meilleure manière de le résumer ça vous évitera euh, pas mal d'emmerdes, tout simplement. Euh, bah voilà, franchement, il euh, y a l'idée, il hein. y a le truc de Boba. Alors après, si tu veux éviter d'avoir trop de courbes, je te recommande de faire loft par loft et de faire ligne par ligne. Ou euh, bon, alors après, voilà, c'est que je l'ai fait comme ça à l'arrache. Mais en tout cas, tu as l'idée. Et maintenant, bah, du coup, on va reprendre le final. Est-ce qu'on peut réussir à en faire un truc euh, solide euh, Ok, alors pour en faire un solide, bah d'avance, ce que je vais faire, c'est que je vais reconnaître tout le monde ensemble. Hop, hop, hop. Ok. Et donc pour faire en solide, bah je vais vous faire comme je vous l'ai recommandé c'est de le faire partie par partie. Donc je vais faire un stitch, pas de tout le monde en même temps, et ça, évitera, euh, ça évitera la casse. Et d'ailleurs, je pense que ça devrait éviter que mon Fusion 360 plante. Ce qui est normal. D'une certaine manière, je trouve que c'est normal que ça plante. Euh, mais euh, voilà, c'est juste pour éviter que vous, si vous avez des ordinateurs qui sont pas très puissants, euh, ça vous évitera les plantages. Et, euh, et même en, en général, je pense que c'est mieux quand même de trop euh, faire des fonctions olé olé comme ça. Parce que sinon, euh, bah, ça, ça plante, après ça fait n'importe quoi. Hop. Tac. Ok. Il m'a stitch tout le monde. Parfait. Donc là, globalement, j'ai qui. Donc lui, il est là. OK. Lui, il est là. OK. Euh, il manque un peu de monde là dans ce stitch. Il manque lui. Il manque lui. Euh, warning. Oui, bah oui. Hop oui. tech. OK, il manquait lui. J'avais oublié lui. OK, tout le monde est là. Ok, et alors là vous voyez vraiment ça c'est le problème, c'est ce pourquoi j'ai passé du temps, c'est qu'ici, euh, j'ai pas vérifié, mais voilà, c'est bien ce qui me semblait, ces deux petites faces-là toutes pourries que j'ai pas réussi à éviter. Euh, bah faut que je pense à ne pas les oublier. Hop. Parce qu'elles se font discrètes et vraiment j'aurais aimé réussir euh, ce live sans avoir ces petites faces euh, qui vont plus poser problème qu'autre chose, mais tant pis. Hop. Voilà, donc en gros, euh, pourquoi il y a des faces visibles que je n'ai pas utilisées sont où ben, Je ne veux plus vous voir, vous. Si je ne vous vois plus, tac, tac, tac. Ok, donc c'était des faces en interne. Ah non, ah, ici. Ah, donc j'ai vraiment refait exactement les mêmes erreurs euh, que ce que j'ai fait la dernière fois. Tac. Donc, vous voyez, ça, ça sera quelque chose qu'il faudra que je retravaille tranquillement. En Solo, hop, ou alors c'est moi qui n'ai pas fait attention donc je vais recréer un love vite fait. En vrai, du coup, c'est un peu dommage d'avoir une pièce qui fonctionne bien et au final avoir là ces petites, euh, ces petites crasses entre les deux qui font quelque chose de pas très propre. Moi, ça, ça m'agace un peu. Voilà. Pourquoi il veut pas prendre tout le profil en plus, animal? Ah oui, je sais non, alors là c'est autant pour moi, je me perds un peu parce que j'avais activé change selection et du coup, voilà, il m'embête un peu. Hop, hop. Voilà, du coup, voilà. Alors, ça c'était vraiment typiquement un des trucs que j'avais voulu éviter et je vous recommande de faire attention à ça parce que c'est très traître ce genre de petites faces qui ne, qui ne sont connectées à rien donc. Euh... On peut pas là, dommage j'ai pas réussi à les éviter. Je, je sais pas si c'est possible de les éviter à 100%, très honnêtement. Je pense que oui, avec beaucoup de pratique, mais c'est vrai que bon bah le, le surfacique, j'en fais, euh, fais peut-être pas assez pour vraiment maîtriser parfaitement. En tout cas, ça me permet de sortir voilà, des pièces comme ça. Et souvent, quand j'ai ces pièces-là, j'en suis très content. Ah ouais, vraiment, ça fait n'importe quoi ici. Ok, bon, bah j'en suis bien désolé. Mais la fin ici n'était pas propre. Euh, de toute façon, je pense qu'en fait, je vais refaire... Euh... Ah ouais, carrément. Je comptais refaire en fait une, euh, une vidéo complètement dédiée à la modélisation du casque. Avec, euh, où moi, je pourrais la faire vraiment en off. Et, euh, et voilà, le, le fait de faire la vidéo en off sera largement plus facile pour moi. Euh, de reprendre les choses tranquillement. Ah et la coup dur parce qu'en fait je me rends compte que euh, vraiment le bord euh, ce bord tout pourri vraiment n'est pas beau du tout. Donc euh, ce que je vais faire si je zoome bien okay. En Ok fait je vais faire un loft juste pour ça. Ok et là du coup là c'est propre ok et ouais coup dur pour le jeune joueur français mais que voulez vous Hop. Là, ouais, mais là, je suis même pas sûr que ce soit connecté en fait. C'est terrible ça. Euh, si je reprends le stitch. Ok, donc là il arrive à le connecter quand même. Bon, on va voir ce que ça me donne. Ah, vraiment, cette pièce-là, j'ai pas assuré. Donc, toi, je veux plus te voir non plus. Bon en tout cas après je pense que vous aurez eu euh, voilà toutes les idées nécessaires pour faire ça. Quand même je pense qu'il y aurait eu des trucs sympas à voir. Tac, tac. Tout. Ok ok toi t'es là... Euh, oula je suis remonté loin en arrière. Ok ok. Surtout je peux même plus faire de miroir parce que j'ai fait un truc euh, d'un côté que j'ai pas de l'autre. C'est bien malin ça. Ouais, bon, là sinon je fais un miroir que des parties qui m'intéressent. Tac. Donc je vais refaire vraiment un miroir de ça. Ok, je vérifie que là c'est pas trop dégueulasse. Oh non, ok, donc ça l'a soudé. Ok, très bien. Ok, okay très très bien. <coughs> ok, voilà, bon. On aura su improviser. Ok. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est très très rare, les gens qui suivent des tutoriels et qui arrivent à faire exactement la même chose sans avoir à aucun moment un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, ce ressenti, mais je pense, vraiment, si vous faites un tutoriel pas à pas, bah, vous aurez beau le suivre pas pas à pas. Vous aurez quand même des petits problèmes par-ci par-là. Ok, bon. Et du coup, je vais restitch tout le monde. Pin to bar. Ok, te revoilà, mon grand. Hop. Euh, du coup, je vais restitch dans cancel. Je vais revenir en arrière. Là, il va me dire qu'il ne retrouve pas les faces de tout à l'heure. Edit. Ouais, ça donne jump. Pass. Oui, mais alors, ça, c'est. Vraiment, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça, dans mes, dans mes tutos, j'essaye de montrer un peu les. Les trucs où ça coince parce qu'en réalité euh, quand vous commencez euh, les sweeps et tout ça c'est capricieux. Ouais c'est... La fonction loft très, fonctionne très très bien, mais très capricieuse aussi. Et euh, du coup c'est... Si vous suivez un tutoriel, en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des trucs qui... Euh, bah, ça, ça marche pas comme dans le tuto, c'est agaçant. Et du coup, c'est quand même bien de voir les erreurs des autres, je trouve. Ça aide à se rendre compte qu'en fait euh, bah un, un modèle 3D, voilà, ça passe par plusieurs étapes, on fait des erreurs, on les reprend. Tac. Alors vous, je vais vous un stitch. Je ne veux plus vous voir ensemble. Euh, tac. Donc vraiment, si jamais vous vous retrouvez dans ce cas où euh, vous n'avez pas le résultat, le même résultat que le gars qui fait la vidéo, ou même si c'est un, un de mes tutos, bah en fait, c'est tout à fait normal de se retrouver dans ce genre de cas. Je tiens à le dire. Faut pas mentir aux gens. Faut pas croire que c'est facile, même pour les gens qui maîtrisent un peu. Ok, est-ce que là, ça m'a fait un truc pas mal. Ok, très bien. Bon, on va y arriver doucement, mais sûrement. Vous savez quoi Je devrais même faire un combine. Enfin, euh, un... je me marre d'avance d'avoir le stormtrooper. Mais alors, en fait, surtout le stormtrooper. Alors, j'hésite à le faire hein, parce que le stormtrooper, euh, je ne l'ai jamais fait, euh, jamais, jamais. Et je me dis si je me lance dans un truc que j'ai jamais fait en live, qui sait ce qui peut arriver, quoi. Et euh, mais d'un autre côté j'ai envie de le faire voilà, de prendre le temps à la rigueur euh, je pourrais discuter avec les gens qui seront là sur le live et, euh, et vraiment le stand upper j'ai quelques idées en tête euh, que j'ai pas eu le temps de montrer ce soir petit live de 6h euh, bon 6h euh, déjà là il est 22h13 j'ai faim et je suis pas tardé à aller manger euh, là c'est pour faire un live de 6h déjà j'arrive plus à parler et j'arriverai tout simplement plus à modéliser. Et je ferai surtout plein d'erreurs. Il faut savoir prendre du recul un peu sur ces pièces parfois. Quand on voit que ça ne marche pas, bah on arrête un peu, on reprend tranquille. Ça aide. Oh ah ben j'oublie cette pièce là. Reviens. Hop, 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 Voilà. Et donc là normalement, j'ai mes deux pièces. Et j'ai plus qu'à refaire donc le fameux ficon. Euh, le fait de l'avoir fait en plusieurs parties devrait m'aider à éviter d'avoir des merdes. Et, euh, et après, il est 22h13. Je vais rapidement vous montrer... Euh... Oh le fiction, je sens qu'il va prendre une plombe. Je, je, Est-ce que je vais pas rapidement vous montrer quand même l'idée Ok, ok. Bon là je veux vraiment... On va skipper l'étape du fiction parce que je sens que sinon ça va prendre une plombe. Autant, en fait, il faut juste décomposer le modèle en plusieurs pièces. En le décomposant, après, ça ira tout seul, normalement. Euh, donc voilà, je vous le dis. Là, je ne vais pas le faire parce que voilà, ça fait ramer. Fusion 360, là, techniquement pour lui, il a craché. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais vous parler de la deuxième méthode, euh, si jamais ça vous intéresse. Pof, pof, pof. La méthode par laquelle j'ai commencé euh, pour faire le casque. Hop, je cache tout le monde. Oula, monter, tac, tac. Mais donc euh, c'est cette méthode-là que j'utiliserai en partie pour faire le casque de Stormtrooper. Euh, parce qu'elle me permettra de faire des formes un peu tarabiscotées. Hop. Et donc si je reprends mon mesh depuis le début, vous avez une deuxième possibilité en fait pour faire le bol. Je vous avais montré un truc. Euh, vous pouvez faire un create form. Ok. Et vous utilisez quad bol. Tac. Et je tire ma quad ball. Euh, Est-ce que je la fais surface 4 Oh, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Tac. Edit Form. Ah, je suis allé trop vite. Et donc, en fait, l'outil euh, create Form, ça vous permet de créer des, des volumes de manière très très libre. Mais par contre, je trouve qu'il est très très dur à utiliser. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Tac. Et euh, mais par contre en fait il est très libre dans, dans ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez vous pouvez vraiment déformer la matière un peu comme bon vous semble, sans vraiment avoir de logique. Et pour faire le bol en fait, ce que j'avais commencé par faire la dernière fois. Donc j'ai positionné mon truc. Et ensuite j'avais fait en sorte que ça colle. Alors. En fait j'avais d'abord commencé par faire... Alors j'ai d'abord sélectionné mes faces. Donc j'avais retiré toutes les faces sur le tour. Hop là. Deck. Euh, delete. Ok, delete, delette, delete. délette, delete, delete. Euh, Des pièces d'armure comme le plastron de Mando. Euh, bon, en fait je trouve que le plastron de Mando, c'est pas une pièce très intéressante si t'as compris le surfacique. Tu vois, on peut en parler maintenant. Euh. Si je dégage ça, euh, ça ne veut pas partir. Où je vais pas trop. Enfin là sinon je, si je vous montre ça je pense que je vais vous assassiner avec ça. Donc voilà en fait tout simplement j'avais fait le concept du bol. Donc si jamais vous vous avez une forme un peu, euh, un peu originale à faire, euh, vous pouvez faire le bol comme ça. Tac. Donc voilà, je l'avais fait à peu près comme ça. Et du coup je vais reprendre ce que tu es en train de me dire sur le plastron. Hop. Et là, en fait, en faisant des extrusions, donc par exemple en créant de la matière, si je fais alky, ben en fait vous allez voir il va me créer... Le plat du bol et en utilisant l'outil quiz, euh, tac, ok, et voilà. En utilisant ces fonctions là, en fait, c'était comme ça la première fois que j'avais fait le bol, et donc je pense que je vais réutiliser ces fonctions là pour faire. Oh, là, ça va me faire n'importe quoi, CTRL Z. Je pense que je ces fonctions là pour refaire le, le prochain casque de Stormtrooper, Ce sera très pratique. Euh, donc vous voyez vraiment, tac, en faisant des haltes et on cet outil en fait. Consiste à utiliser uniquement, j'aimerais utiliser des pièces d'armure, que les armures d'or de Senseiya. Euh, alors attends, on va regarder ça vite fait. Et donc voilà, en fait, si vous avez des formes un peu plus tarabiscotées, si je fais OK, tac, et si je fais Finish, hop là, en fait, là, ça me, la, ça me donne directement une surface. Donc si vous avez des trucs un peu compliqués à faire, c'est assez intéressant d'utiliser ça parce que du coup, euh, ça vous crée une surface donc, que vous pourrez éditer de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais par contre, vous aurez pu euh, amener des, des formes qui auraient été difficiles à faire à partir d'esquisses. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre là, comme ça, rapidement. C'est pour que, voilà, si, euh, si jamais vous bloquez un peu juste en utilisant l'outil surface, vous pouvez utiliser l'outil Create Form. Euh, Peut-être qu'on en reparlera en live, parce que là, du coup, je ne vais pas expliquer ça maintenant, ça risque d'être un petit peu lourd. Et on va plutôt voir ce dont nous parle Coméga. Alors, euh... Senseiya. Oula, non, déjà, ça part sur du beaucoup d'armure. Est-ce que. Pouf, pouf, pouf. Euh, alors, ce jeu, a, bon, alors, ça, c'est comme tous les animés, il y a toujours plusieurs modèles. C'était sûr. Euh, toc, 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 toc. Il euh, n'y a pas un visuel un peu correct. Alors, je sais pas si c'est ce visuel-là. Je vais le mettre de côté. Donc, du coup, dis-moi si ce visuel-là te paraît à peu près correct. Bon, alors, après, là, il n'y a pas beaucoup de placement à faire dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre OK, des armures dorées. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh là, c'est moche, ça. Oh, c'est vilain. Donc, là, tout ça, là, comme ça, de première vue, tout ça est modélisable avec l'outil create form avec l'outil surfacique et c'est ça du coup en fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé rapidement du create euh, il vous permettra en fait en utilisant le surfacique et le create vous allez pouvoir faire les deux en même temps euh, vraiment armure d'or ok tu auras des meilleurs visu typiquement si tu veux faire voilà donc là si on veut faire par exemple un plastron de mando, ok et je pense que ça ça va s'appliquer assez bien au reste ok si vous voulez faire des plastrons avec ce que j'ai montré tout à l'heure, euh, pourquoi il veut pas me. Hop. Euh, les bodies sont là, les constructs ils sont où Ok. Je vérifie juste que tout, tout est bien. Okay. Euh, si vous voulez faire un plastron, par exemple, moi ce que je vous propose, une méthode qui est assez intéressante, vous utilisez l'outil Create form. On va se mettre bien. Et par exemple, hop, je peux faire ça. Oh, je, je sais pas n'importe quoi et ils vous permettre de créer des faces. Des faces toutes simples et si vous faites edit forme, bah en fait, vous pouvez éditer votre face. Alors je j'ai sélectionné les arêtes. tac euh, merci pour le live. Mais bah, écoute, merci à toi d'être resté jusque là et bah, du coup, bah à la prochaine pour une autre modélisation. Passe une bonne soirée. Et du coup, euh, l'outil create forme Donc euh, alors, ta plaque de plastron en fait elle va suivre ton corps donc elle va être un peu courbée. Alors, par exemple, si je veux donner de la courbure, en fait, tu vois là, j'ai des outils qui sont là et qui me permettent normalement, si je les attrape correctement, euh, de donner euh, en fait des courbes aux choses. Hop. Donc, tu vois, alors là, c'est pas très flagrant, je vais faire un peu autrement je sélectionne l'arête, tac. Donc dans cet outil en fait, si tu fais alt et tu dragues, en fait par défaut ça va te créer euh, une deuxième arête ou une deuxième face selon ce que tu as sélectionné. Et donc par exemple, tac tac, si je veux créer une plaque. Alors après c'est comme ça que je le ferai honnêtement. Là tu pris comme ça, je ne saurais pas vraiment le dire parfaitement, mais c'est déjà une piste que je te propose. Ok. Donc là j'ai créé une surface, elle est courbe. Ok, donc globalement c'est rond sur garde armure euh, senseiya. Tu m'avais dit armure d'or. Euh, ok. Ok. Et donc, admettons. Je vais partir, honnêtement, là, je vais partir sur l'armure de Mando, parce que c'est celle que je connais le mieux. Et que de tête je pourrais faire si. Euh, je pense que j'étais de peut-être faire un live dessus, c'est quoi si tu m'en parles euh... On en reparlera, envoie-moi un message sur Discord euh, que j'y repense, mais éventuellement je vais faire un truc dessus. Hop là. Mais du coup, si tu veux faire une plaque de Senseiya, je vais te donner une piste avec l'armure de Mando. à ton aise. Parfait. Du coup, avec l'outil Create Form, j'ai créé une surface courbe. Ok Et donc si on regarde euh, toutes les surfaces de toutes tes armures, globalement, t'as pas un endroit qui est plat. Et tu n'as que des, euh, des courbes. Si je prends le plastron de Mando, euh, quasi Mandalorian, euh, hop, ok, ok, donc là voilà, celle-là je l'aime pas trop, pas trop mal celle-là, comme ça, un bon visu. Si je veux euh, bah, lui faire une partie, bah, en fait, tout simplement, après avoir créé ma forme, tu vois qu'il me convertit la surface euh, directement. Hop. Il me l'a converti directement en une surface. Donc en fait, j'ai créé un, une forme et ensuite il va me la convertir en surface. Et du coup, bah je peux taper dedans normalement comme si c'était hop, tac, comme si c'était euh, bah, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le casque. Ok. Je fais tac. Euh, du coup ici, bon allez, hop, on va le faire un peu. Je crée un solide, enfin je crée mon outil de découpe à partir de ça. Hop, j'extrude. Euh, splitting tool, c'est lui. Toc, toc. Hop. Ah, CTRL Z, ok. Et du coup, hop, là, globalement, ça m'a donné le début du PEC. Donc si on regarde. Où est-ce qu'il est Google Là, en faisant ça, ça m'a donné le début du peck. Ouais, parfait. Et si je veux faire la deuxième partie, donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette face-là. Donc plus je peux le cacher et je retourne dans l'outil Create Form. Je vais recréer un plane. Donc là, je vais pas trop me prendre la tête. Tac. Ah ouais, alors faut que je m'habitue. Si vraiment je veux faire un live dessus, faut que je me réentraîne un peu parce que sinon ça va être la panique. Je le modifie. Tac. Euh, L'arrêt qui est là. Hop. Donc, hop là. Euh, Alt pour extruder. J'extrude un peu tout. Hop. Ok. Tac. alors si je regarde bien ma plaque de pec, d'ailleurs je vais mettre l'image là-bas. Euh, toc -toc. Ok. Donc là ça fait 3 points. Ah mais ça correspond pas trop à ce que j'ai fait. Hop. Euh, hop, je finis ma forme. Donc, je vais revenir. En fait j'ai juste vu que j'ai pas très bien fait. Euh, ma pièce, alors je vois plus le chat. Euh, je vais break ici. Hop hop, finish sketch. Lui va planter, j'édite. Ok, voilà. Oh, J'ai beaucoup trop de surface outil. Toc. Ok, et du coup là, si je reprends l'image de mon dos, euh, j'ai cette partie-là que j'ai fait grossièrement. Je vais découper celle-ci grossièrement aussi. Tac. Hop. Euh, combien il y a 1, 2. Bah non, je suis nul. Euh... Ok. Si je fais un cut, là, ça me cut ou pas ma surface Non, ça me cut pas. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Surface. Donc, je crée ma surface outil. Hop. Ok, je split comme d'habitude. Hop, hop, hop. Okay, Jeune stitch, donc toi, je ne veux plus te voir. Ok, et maintenant, coup, il va manquer un bout à ma plaque. Hop, je vais créer une sketch pour la découper dedans. Euh, alors, en gros, ça fait à peu près un truc comme ça. Sans regarder le canvas. Hop. Tac. Et du coup, bah je un stitch. Hop, je stitch, toi, je te cache, toi. Et le loft. Le l'oft à lui est un. Euh, du coup. Hop. Voilà. Alors, c'est pas très ressemblant, du coup, de ce que je vois. Hop. Ah oui, parce que du coup, ma plaque de pec ne correspond pas du tout. Et oui. alors, pour la modifier. Tout ce que je fais, c'est que je reviens en arrière, tac, et dit sketch. Ok, donc je vais remonter comme ça, tac. Euh, pouf, pouf, pouf. En théorie, on doit pouvoir le faire entièrement. Euh, je vois l'idée en effet, ok. Bon, cool que tu vois l'idée. Euh, parce que là, du coup, il que je retourne pas mal en arrière. Euh, et du coup, en fait, là, le gros avantage de ce que j'ai fait, c'est qu'en utilisant le Kate Form, j'ai donné une petite courbure euh, à ma pièce. Tu vois, je l'ai fait tout de suite. Et c'est ce que tu verras c'est euh, sur les armures, c'est que des surfaces courbes. Euh, alors attends, est-ce que je peux faire un move copy de ce point Ça m'aurait bien arrangé. Normalement, on va faire une deuxième possibilité. Hop. Je vais créer hop, une surface. C'est vrai que c'est un outil que j'utilise peut-être pas assez pour pouvoir vraiment le, le montrer comme ça. Donc là, tac, tac. Mais normalement, une plaque comme ça, tu es censé pouvoir la faire entièrement avec l'outil Create Form, et c'est peut-être même la, la méthode la plus simple. Euh, mais donc voilà, comme j'ai dit, je le maîtrise peut-être pas assez pour faire un truc carré-carré. Mais du coup, l'outil Create Form, c'est vraiment, tu passes ton temps à ça. Si tu prends une forme, tu l'extrudes. Donc là, par exemple, je prends ça. Et ensuite, tu déplaces les points à ta guise pour avoir, euh, oh, okay. pour avoir le truc qui te convient. Ok, euh, donc là il me fait n'importe quoi, c'est normal. Alors un truc très intéressant si du coup tu t'essaies de te lancer comme ça à la volée, c'est l'outil quiz. Ah oh, il va pas vouloir me le prendre, je suis dégoûté. Donc l'outil quiz normalement qui te permet euh, en fait c'est que par défaut ton outil Create Form va te donner des trucs courbes et tu peux très bien avoir envie que deux lignes se rejoignent en arête. Et euh, en fait, l'outil quiz te permet de faire ça. Sinon... Euh, J'ai peut-être une autre idée. Ça serait ça. Non, si ça, il va me le remettre droit. Salaud. <laughs> <laughs> Répétez dite forme. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Alors, là, vraiment, très honnêtement, je ne saurais pas te le. Voilà, je, je vais avoir du mal à te le faire là maintenant. De toute façon, il est déjà 22h30, donc je vais arrêter le live là. Il euh, faudrait que je reprenne le truc tranquillement parce que voilà, c'est tout à fait faisable. Ce que je te recommande, c'est que si tu veux faire du coup une armure comme ça, soit tu utilises le surfacique. Donc, comme je l'ai fait là, et donc là, tu as l'idée. Donc, euh, voilà ce qui manquait un peu. Voilà. Après, c'est du, du pinaillage. Soit tu utilises l'outil surfacique, soit tu utilises l'outil Createform. Euh, l'outil Createform, il va falloir que je me reforme un peu dessus parce que de toute façon, je vais en avoir besoin. Euh, mais donc voilà, les deux sont possibles. Moi, je te recommande l'outil Createform. Euh, alors, j'ai vu aussi un gars, c'était dans les Fusion 360 Academy. C'était une personne qui faisait, à partir d'un scan 3D de son corps, une surface et ensuite, il éditait sur cette surface euh, les pièces d'armure. Voilà, euh, voilà 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 euh, du coup voilà bon je j'ai pas trop d'idées pour vraiment parfaire le truc et pour majorer proprement j'essaie de te donner en tout cas une piste euh, c'est quoi si t'es sur le discord n'hésite pas à balancer les réalisations ou en tout cas ce que tu auras essayé de faire euh, parce que je suis assez curieux honnêtement je me suis pas encore penché sur les plaques mais je pense que je vais devoir le faire tout tard parce que euh, bah c'est vrai que je ne l'ai pas montré depuis le live du coup Mais euh, j'avais imprimé le casque en 3D entièrement. Donc le, live que le casque que j'ai montré. Et donc euh, bah les, les petites bavures là par exemple, elles n'étaient pas passées... Enfin ça avait pas trop gêné. La seule erreur que j'avais faite c'est que quand je l'ai imprimé, euh, je l'ai imprimé trop fin. Et du coup bah, ça a un peu cassé. Euh, mais là vraiment c'était purement de ma faute, c'est juste que j'ai voulu économiser du fil et du coup ça fait complètement n'importe quoi mais euh, vu que j'ai déjà imprimé le casque je pense que j'ai pas tardé à passer aux plaques d'armure et en plus le casque il avait plutôt de la gueule mis à part euh, voilà les petites cassures ici parce que vraiment j'avais été un petit peu ambitieux sur euh, l'économie de fil et euh, donc voilà je vais me remettre aux plaques donc voilà n'hésite pas si tu bosses sur les plaques de ton côté à m'envoyer euh, un message sur Discord pour qu'on puisse voir ça et pour voir un peu le résultat voilà voilà et bien, écoutez moi euh, vous êtes encore 4 et euh, du coup bah moi j'ai coupé le live ici donc euh, ouais, si voilà, si jamais vous avez des questions, euh, je vais mettre euh, le replay du live, histoire 2, parce que je pense que ça va intéresser 2-3 personnes, mais je ferai peut-être une vidéo dédiée au casque. Euh, N'hésitez pas à venir sur le Discord, tout simplement, ou à vous abonner, ou à partager. Voilà. Euh, sur le Discord, j'y suis quasiment tout le temps, donc en général, si vous avez une question sur la modélisation 3D, je suis là. Voilà, c'est ce Discord-là. Euh, on a déjà, euh, voilà, déjà fait qu'une personne voulait faire un cadeau et du coup on avait passé un peu de temps dessus, on en avait parlé. Je lui avais montré 2-3 pistes et au final il a trouvé un autre tuto qui montrait comment le faire. Voilà, voilà c'était ma petite pub un peu pour le Discord. Si jamais euh, vous voulez le rejoindre. Et bah du coup, bah, voilà, moi je vous dis bonne soirée. Le live s'arrête là. Et il va s'arrêter dans 2-3 minutes. Donc... Bah ouais, en fait j'ai pas fait attention, j'ai cliqué. Euh, je me suis coupé la parole. Mais du coup, voilà, donc euh, le live il se termine et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao